Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous, à toutes, comme on dit aussi aujourd'hui. Alors ce soir, le théâtre, dans ce décor de 3x Ulysse, va se métamorphoser à la fois en arène, en stade, en plateau de tournage, en salle de concert et bien d'autres terrains d'expression tour à tour au gré des passes et des réminiscences qu'échangeront les deux magnifiques artistes du jeu qui vont me rejoindre sur scène. Merci d'accueillir Eric Cantona, footballeur, acteur, peintre, réalisateur, chanteur, compositeur, Denis Podalydès, comédien, metteur en scène, scénariste et écrivain. Bonsoir à tous les deux. Comme vous le savez, Denis Podalydès joue à domicile, sociétaire de la Comédie Française depuis l'an 2000, numéro 500. 505. Attention, bah, c'est bien, comme ça on le précise. Quant à Eric Cantona, il a fait de son maillot numéro 7, je pense, une légende au club Manchester United, une légende de l'histoire du foot aussi en général. Depuis, il ne cesse d'explorer de nouveaux terrains de création. L'art, on peut le dire pour vous deux, c'est un enjeu vital, pour l'un comme pour l'autre, une manière d'être au monde, une condition même, à la fois physique et mentale. Merci d'être là, tous les deux, pour ce match. Cantona Podalydès, quand même. Right. Incroyable. Alors, avant d'entrer dans le vestiaire de vos parcours, beaucoup de métaphores filées ce soir, de vos intuitions, de vos réflexions respectives sur cet art du jeu à haut niveau, je voudrais vous donner, moi aussi en quelque sorte, les règles du jeu pour cette rencontre de ce soir, qu'on a un peu, c'est vrai, imaginé avec Denis. Et on va suivre quelques dates clés en parallèle à la manière des protagonistes du générique d'Amicalement Vôtre. Alors pour ceux qui sont nés après 2000, c'était une série avec Roger Moore et Tony Curtis. Et il y avait un split screen et on voyait les deux protagonistes évoluer chacun de leur côté jusqu'à ce point d'impact. Cette rencontre de vos destins, une première fois en 2010-2011, au moment où Eric jouait dans Ubu Enchaîné d'Alfred Jarry, mis en scène par Dan Jemmett. Alors c'est parti. On va commencer par le premier chapitre de ce roman croisé, votre naissance. Le coup d'envoi, c'est pour vous, Denis, puisque vous êtes l'aîné de notre équipe. Voilà, c'est ouais. Comme ça. En 1963, vous naissez à Versailles. Votre grand-mère maternelle tient une librairie. Votre mère est professeure d'anglais. Votre père pharmacien, né en Algérie, d'origine grecque. Qu'est-ce qui, dans cet environnement, va nourrir votre jeu plus tard? Le goût du théâtre, le goût du jeu. D'abord. Alors, le goût du jeu, c'est mon frère aîné, le fait qu'on grandit ensemble dans la même chambre, qu'on est tout le temps assimilés l'un à l'autre, que peu à peu, les parents font toujours ça et ils distinguent un peu l'un de l'autre en disant, bah, toi, tu seras le... On fait beaucoup de jeux de théâtre, beaucoup de jeux de marionnettes, et donc le technicien, c'est mon frère aîné parce qu'il sait mieux manier les engins magnétophones et projecteurs. Et moi, bah, je plus acteur, alors qu'on l'était tous les deux. Donc, le jeu, ça vient vraiment de là, de la chambre. Mon frère et moi, la chambre. Lui, il a 2 ans de plus que moi. Et mon père aussi est très important parce qu'il valorise énormément le jeu de théâtre, le cinéma, la télévision chez ses deux fils. J'ai deux frères qui naissent un peu plus tard. Et il donne comme ça, dans nos imaginations, la place du cinéma notamment et du théâtre devient très importante par la valorisation extrême que lui porte mon père. Ça commence comme ça. En 1966, 3 ans plus tard, voilà Eric. Naissance à Marseille, à la frontière, il grandira à la frontière entre le 11e et le 12e arrondissement. Les parents espagnols, catalans, confient la guerre civile. Du côté du père, c'est l'Italie, piémontaise et puis sarde. Et vous allez vous retrouver donc à Marseille, mais aussi dans un environnement d'art, puisque très tôt, on vous emmène dans des galeries. Votre père vous emmène dans des galeries. Eric, est-ce que vous vous souvenez de ce moment où il y a un premier désir artistique, avant même le football? Oui, mon père peint, parce qu'il est toujours vivant, il a 84 ans, et il peignait beaucoup à cette époque. Et il nous a menés voir des galeries, ouais, à Marseille. Donc on allait dans des galeries. Donc là, jusqu'ici, tout est correct. On était un peu timide, quoi, parce que c'est impressionnant un peu les galeries. Nous, on vient un peu de milieu modeste, quoi. Mais on rentrait, et avec mes frères aussi.
Mes frères, ils sont passionnés, mais pas comme moi. Quoi. Vous, c'est-à-dire que moi, je vais à côté de lui quand il peint, et je veux peindre avec lui, je veux dessiner avec lui. Il me donne des petites toiles, je commence à peindre, il me donne un petit crayon avec un petit papier, je dessine. Et puis j'ai commencé à dessiner et peindre depuis très jeune, quoi, en fait. Je me rappelle avoir fait un autoportrait de Van Gogh, tout petit comme ça. Parce que mon père était passionné de... Vous savez, à l'époque, il venait les représentants chez nous. Il tapait au port, vendent des encyclopédies. Et il nous avait vendu l'encyclopédie des impressionnistes. Alors, il y avait tous les impressionnistes. Et mon père était passionné par tous les impressionnistes, mais particulièrement par Van Gogh, sans doute, par rapport à sa vie, tout ça. Mon père était infirmier en psychiatrie aussi. Oui. Et on avait aussi le frère de mon grand-père qui a fait la guerre, et, parce qu'il y a les victimes de la guerre, et puis il y a ceux aussi qui sortent de la guerre, qui a fini en hôpital psychiatrique, quoi, ouais. Qui était le parrain de mon père. Et mon père est devenu infirmier pour être infirmier dans l'hôpital où était interné. Ah, c'était ça le point de départ de sa vocation. Vous vous dites d'ailleurs, si je ne faisais pas de création, enfin, vous dites la création, c'est mon HP. J'ai lu ça récemment. Oui, non. À force de le dire, j'ai trouvé une formule qui était pas mal, je trouve. Vous savez, c'est les funambules qui marchent sur un fil comme ça, et puis ils ont une barre comme ça pour se tenir en équilibre, quoi. Ben moi, c'est ce monde un peu imaginaire, c'est ma barre, quoi. Parce que je peux très facilement tomber d'un côté ou de l'autre, sinon, quoi. Voilà. Donc ça, c'est votre premier. Je dis aussi que le psy, que parce qu'on me dit, tu fais ça, tu fais ci, tu fais là. Ouais. Je dis, ouais, ben, j'ai autant de facettes que la photo de mon psychiatre a de pixels. C'est bon, ça. On la garde aussi. Mais vous allez quand même partir vers un autre terrain d'expression qui est le football. Eric Cantona, à 6 ans, vous commencez sur les terrains de foot. Ouais. Comment ça se déclenche alors que vous étiez parti pour faire des autoportraits de Van Gogh? Ben, parce que je jouais aussi au foot. Et mon père était gardien. Et je voulais faire comme mon père. Je voulais être gardien. Donc je faisais que ça. Jusqu'à 8 ans, jusqu'à pousser une première année. Bon, maintenant, c'est par année, mais à l'époque, c'était pousser une première année, deuxième année, pupille, tout ça. Et sauf que je jouais gardien dans une équipe où on gagnait 6-7-0 tous les matchs. J'attendais le samedi pour jouer et je ne touchais jamais le ballon. Ah ouais. Donc j'ai dit, je vais jouer devant. Comme ça, Et puis du coup, je commence à marquer des buts et puis c'est comme ça que c'est parti. Mais j'adorais gardien. En fait, j'adorais ou sauver ou être décisif à marquer un but, quoi. Ah ouais, il y avait déjà une ambition un peu de sauver le monde. Ouais, au milieu, là, porteur d'eau, c'est pas mon truc. Alors vous, mais c'est très important. Hein. Ah c'est bah très oui, important. Ils sont très importants, ils sont tous très importants. Alors vous, Denis Podalydès, entre les films en Super 8 avec votre frère, les fausses émissions de radio aussi, qu'on peut découvrir dans ce livre, Voix Off, vous racontez un peu les voix de votre famille, il y a un petit CD qui est magique, on entend vos premières démos. Vous allez aussi découvrir une passion pour le football. Oui, 74. Alors, c'est quoi ce choix? J'ai 11 ans et c'est la Coupe du Monde en Allemagne. Je découvre l'équipe de Hollande, maillot orange, qui était une couleur, je pense, qui éclatait dans les années 70. J'ai l'impression que l'orange n'a pas existé avant les années 70. Et l'orange des maillots de Johan Cruyff, il ressemble aux Beatles, que ma mère écoutait beaucoup, qui était une sorte de modèle de beauté, de... Et notamment ce joueur, Johan Cruyff, avec sa mèche comme ça, et qui était sur un terrain. Et je découvre tout en même temps, les règles du football, les joueurs de foot, les joueurs hollandais, Niskens, Kroll, il y en a. Et c'est une passion immédiate. Mon père regardait tous les matchs depuis, parce que j'ai quelques souvenirs de la Coupe du Monde 70, mais là, je ne m'intéressais pas encore. Alors, est-ce que parce que là, on avait une télé noir et blanc en 70 et en couleur en 74 74, vous avez 11 ans. J'ai 11 ans. Et la télévision en couleur. Mais parce que je me souviens de la voix de Michel Drucker sur la Coupe du Monde au Mexique. Il était déjà là. Et il était déjà là. Il commentait les matchs. Mais en 74, c'est le choc, doublé aussi de l'album que beaucoup de gens connaissent, des figures, des albums Panini, des vignettes. Donc ce jeu qui fait entrer la tête des footballeurs. Mais notamment dans mes rêves, parce qu'à partir de cette époque-là, pour m'endormir, quand je n'arrivais pas, et je le fais toujours, je compte les footballeurs.
Et je pars des, ça partait des vignettes. Mais ça veut dire quoi, compter les équipes, compter les footballeurs, ça, vous faites toutes les équipes jusqu'à ce que vous vous endormiez. Bah, on est un peu des moutons, quoi. Ah, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. C'est les moutons, mais appliqués au football. Je sais pas, je fais. Alors, si je m'endors mal, si je suis dans, je peux en compter 40, 50, ça peut aller très loin. Alors je fais les équipes, je fais après les remplaçants, puis le, les anciens, les nouveaux. Tu t'endors sur qui en général? Alors je. Je finis, je fais toujours l'équipe du Paris Saint-Germain. Ah. C'est mon équipe un peu. Je sais, ouais, bah vous êtes fan. Ah ouais. Eh, c'est pas vraiment bah l'équipe ouais. De, d'Éric, mais. Le PSG et Paul Claudel. Bah, Marseille, mais moi, je, cela dit, j'ai jamais. Je hais dans le football la détestation des équipes adverses. Ah oui. Et alors, je comprends jamais pourquoi on siffle les adversaires qui rentrent sur le terrain. Alors qu'en fait, le football, c'est la sublimation de la guerre. Finalement, quand il y a des pays qui se rencontrent, autrefois c'était les guerres napoléoniennes, c'était les guerres, maintenant ils se rencontrent sur un carré, sur un terrain de foot, c'est merveilleux. Mais je déteste tout ce qui ramène le football à la violence ou à la haine. En 74, Éric Ducout, 3 ans de moins, donc 8 ans. Moi, c'est même pareil. Choc. Pareil. 74, pareil avec l'Ajax qui précède, l'Ajax, voilà, ouais. 72, qui commence à gagner la Coupe d'Europe. C'est un club formateur, qui a des joueurs très élégants, déjà à l'époque, oui. Mais encore aujourd'hui. On dirait qu'il les sélectionne dans l'élégance. Ils sont tous hyper techniques, hyper intelligents dans le jeu, hyper élégants. T'as l'impression, on a l'impression que c'est toujours les mêmes. Quoi. Van Basten, Johan Cruyff, c'est le même genre de joueurs. Il y a une ligne esthétique du ouais. Joueur de l'Ajax. Ouais. Ouais, et puis c'est des joueurs créatifs. Et moi, j'ai beaucoup. Ça a participé à ma passion du football. Ça. Parce que c'était un football très, très créatif, football total. C'était une révolution dans le football à cette époque. Du coup, il y avait une réunion possible de quelque chose qui vous travaillait déjà. Non, dans et puis le c'était, jeu. C'était cette élégance-là. Et puis ce qu'il disait, quoi. Johan Cruyff, c'est quand même la personne qui a été le plus important, je trouve, dans le football. En tant que joueur à cette époque, puis quand il est devenu entraîneur avec l'Ajax. A créé un football complètement sans attaquant, sans avant-centre. Donc il a révolutionné encore une fois le football. Et Guardiola aujourd'hui, qui est le plus grand entraîneur au monde, c'est le fils spirituel de Johan Cruyff. Quoi. Vous avez envie de vous faire une petite soirée mais à Jacques. C'est une chance de grandir avec cette génération. Ouais. Oui. Parce que Johan Cruyff, il disait il faut avoir vu avant de recevoir le ballon. Mais en fait, c'est valable dans tout dans la vie. Moi, je suis ici, par exemple, j'ai anticipé le truc. Après, il y a toujours des imprévus, heureusement. On garde toujours une part d'imprévus. Mais le sens de l'anticipation dans le monde des affaires, le sens de l'anticipation dans le sport, le sens de l'anticipation dans plein de choses. Avoir vu avant de recevoir le ballon, c'est-à-dire avoir vu tant de déplacements de ses partenaires. Tant d'anticipation d'un adversaire. Et calculer en un dixième de seconde tous ces déplacements pour donner un ballon à un mec qui sait que, justement, on est celui qui a vu avant de recevoir le ballon, qui donc va partir plus vite que si c'est un autre qui va contrôler le ballon et puis qui va regarder. Et plus on monte de niveau, plus ça va vite. Au moins, il touche le ballon. Et vous êtes d'accord dans le jeu théâtral, Denis, par exemple? Non, mais moi, aussi, j'ai fait une découverte au football. Alors, ma grande tragédie de mon existence, c'est que j'ai eu une passion absolue pour le football, que j'ai toujours, avec un manque de talent, mais sidérant. Le ballon dans mes pieds, je me rappelle des jeux avec des camarades, au bout d'un moment, ils renonçaient à me passer le ballon, parce que ça passait entre, ça passait là, alors que je ne demandais que ça, je ne m'intéressais qu'à ça, c'était ça que j'attendais. Mais un jour, j'ai compris, c'est que quand deux joueurs sont là, l'un, dans le jeu d'avant, on passe le ballon à celui qui est là, on lui passe là, et là, il part. Alors que dans le football, tu me contredis, on passe le ballon là, dans la course de l'autre. Donc là, l'autre, et c'est ça, il a anticipé, il lui envoie dans sa course, et l'autre est en mouvement. Et donc, Cruyff disait aussi, le ballon, personne n'ira plus vite que le ballon. C'est le ballon qui va le plus vite. Donc il ne faut pas envoyer le ballon au joueur, il faut l'envoyer dans sa course. Et là, c'est l'ouverture. Il y a un pari on dans l'avenir, des en espaces. Fait. Et théâtralement, c'est un principe qu'on peut tout à fait adopter, c'est de ne pas jouer arrêté.
mais lancer une réplique de façon à ce que l'autre avance dans la course. Et la grande, alors je regardais des images de Eric qui fait des passes. J'ai revu, je ne sais même pas comment il faisait ça. Mettez les passes dans la course. C'est-à-dire qu'on lui passe, un joueur lui passe le ballon et le ballon part vers la course de l'autre. Et il n'y a aucun temps d'arrêt. Le contrôle, c'est contrôle-relance. Il y a très peu de footballeurs qui font ça. Il me semble toujours aujourd'hui. Ouais, il y en a. De talonnade, ouais. C'est incroyable. Il se retourne et, là, et met ça dans la course. Et là, quand on comprend ça, effectivement, dans plein de domaines artistiques, il y a quelque chose qui se... Et je pense que quand on a vu ça, peut-être ça venait aussi de ce football total de Cruyff, il y a quelque chose dans l'esprit qui s'ouvre et qui ouvre une dimension artistique. Moi, je pense que ça m'a... Des joueurs comme Eric, ça a transformé l'appétit du football, qui était d'abord un espèce d'appétit des couleurs, du jeu, du bruit, de l'euphorie que ça suscitait. Et en comprenant peu à peu ce qui se passe techniquement, ça a ouvert une dimension artistique dans le foot. Et dans votre jeu. Voilà, oui. Après, vous avez deux centres de formation différents. Ouais. Eric était plutôt du côté d'Auxerre, d'abord, en patronage, vous disiez, à la vie Auxerre. Et vous, Denis, ça a été les années d'Hippocagne, de Cagnes à Fénelon, la création de votre première bande, un peu Emmanuel Bourdieu, qu'on retrouve toujours autour de vous. Et puis le Conservatoire National. Qu'est-ce qu'en centre de formation, il s'est joué de décisif dans votre pratique, après, à l'un comme à l'autre? Moi, je suis arrivé en fait assez tard à l'idée que ce serait mon métier, que ce serait acteur, puisque ma grand-mère a eu dans mon éducation une influence énorme en tant que libraire, en tant que femme cultivée. Elle m'a ouvert le continent des livres et on m'a un peu assigné à ça. J'ai lu très tôt et lu de manière très, très... maniaque, hein, je lisais tout ce qui me tombait sur la main, et donc on m'a mis l'étiquette un peu d'intellectuel, et que ce serait ma voix. Et vous le racontez, je me suis un peu identifié à ça. J'étais un peu dépositaire de ça. Ma grand-mère était très fière de moi en tant que grand lecteur, elle-même passionnée de lecture, ma mère aussi en tant que professeur d'anglais. Je me démarquais aussi de la famille de mon père, avec qui j'avais plus de problèmes. Et je m'identifiais à ce destin d'être un intellectuel, donc futur professeur. Mais parallèlement à ça, le jeu de théâtre, l'invention permanente avec mon frère de personnages, de situations. On écrivait des petites pièces, on filmait des choses, on faisait des projections. Mais c'était comme deux voies parallèles et qui absolument ne se recoupaient pas. C'est-à-dire que je faisais du théâtre avec mon frère, puis j'en faisais quand même à l'école, mais j'avais ce destin de professeur. Très tard, c'est un ami qui avait beaucoup d'influence sur moi quand j'étais en Cagne, hein, c'était même pas en Hippocagne. J'ai toujours fait du théâtre à l'école, après, tout le temps, et j'adorais ça. Mais le théâtre était complètement fondu dans l'école. J'aimais l'école pour le théâtre et j'aimais le théâtre pour l'école. L'un, ça n'allait pas sans l'autre. Et parce que à Versailles, où j'étais, il y avait un concours interscolaire, les ateliers théâtre étaient quand même très, très... très développé, et on jouait dans un vrai théâtre pendant une période de festival au mois de juin. Donc ça a été très important dans la vie scolaire. Et puis, arrivé en Cagne, donc je me destinais absolument à être prof, hein, prof lettres ou philo, je ne savais pas trop encore, mais un ami qui avait cette influence me dit, il faut absolument que tu passes le cours Florent, ouais. La classe libre, puisqu'il savait que mes parents à ce moment-là étaient... ont vécu un divorce très très long, très pénible, et donc ils s'occupaient plus vraiment de leurs enfants, et donc je ne pouvais pas attendre de trop d'argent, et je suis entré dans cette classe libre, et cette classe libre m'a dit après tu entreras au conservatoire, et je suis entré au conservatoire, mais au conservatoire j'étais encore tous mes amis étaient plutôt des cagneux, ouais. J'étais encore très incertain de mon avenir, et à la fin de la première année j'ai repassé l'école normale supérieure en moderne, que j'ai raté d'un cheveu. Et je n'assumais pas le fait que que je pouvais faire du théâtre professionnellement. Ça me faisait peur, je ne sais pas, du côté de ma famille, ils parlaient de chômage, un acteur c'était quelqu'un qui était au chômage, ouais. Par définition. Ouais, ouais. Ou alors il fallait être une star. Sous-entendu, tu n'en seras pas une, toujours oui, sympa. Oui, parce que j'avais pas dans ma famille, j'avais aucun référent artistique.
Personne n'avait frayé dans les voies. C'était des commerçants. Ouais. Mon père était pharmacien, ma grand-mère libraire, ou des profs. Donc voilà. Fallait. Mais pour mon père, l'idéal, c'était d'être fonctionnaire. Et alors, quand on disait acteur professionnel, c'était tout sauf être fonctionnaire. Donc c'était l'incertitude. Et il a fallu vraiment que. Même en sortant du conservatoire, j'ai repris, j'ai fait un spectacle dont j'ai été viré. J'ai vraiment peiné avant de me dire je serai ça professionnellement. Et c'est drôle, c'est que le foot à ce moment-là, c'était, et ça allait toujours, c'était le très très grand, le moment où j'oubliais tout, où toutes ces tensions étaient, elles se projetaient sur un terrain. Je les projetais, et c'est toujours comme ça d'ailleurs. C'est le plus grand anxiolytique que je connaisse. Antidépresseur, j'entre dans un stade et j'ai un pur émerveillement qui me fait sortir de tout. Et c'est pour ça que vis-à-vis des footballeurs, j'ai une sorte de c'est chamanique presque. Ils ont un pouvoir pour moi de chaman. Bah déjà, ils vous endorment tous les soirs. En plus, ils vous servent d'anxiolytique. Enfin, décidément, c'est remboursé par la sécu. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est le thème de la psychiatrie. Donc tu le dis aussi, je ne savais pas ça, que ton père était infirmier psychiatrique, mais j'ai aussi lu ça ou l'entendu dire que si tu faisais un film, ce serait dans le domaine de la psychiatrie. Ouais. Je pense qu'il y a un truc aussi que le football enserre une part de la folie humaine et arrive à donner des règles à ce qui n'en a pas du tout. Ben, on dit que c'est l'opium du peuple. Ouais. C'est le L'opium du l'opium peuple. L'opium du peuple foot, ouais. Ça va passer alors, ça a du bon et du moins bon, quoi. C'est vrai. Ouais. En tout cas, moi, c'est un sacré opium, ouais. Je suis défoncé. Moi. Alors, est-ce qu'Éric, vous vous défonciez au théâtre à l'époque où vous arrivez à la JOCR, d'abord en formation? Moi, j'ai toujours été passionné par toute forme d'art. Toujours. Depuis, ça a commencé par la peinture et puis tout ça, quoi. Par ce monde un peu imaginaire, quoi. Voilà. Et puis je me suis dit peut-être que c'est plus malin de commencer par le sport, quoi. Ouais. Donc j'ai fini métier, et de l'autre côté j'ai fini très jeune parce que j'ai arrêté ma carrière, j'avais 30 ans. Ouais. Et j'ai arrêté ma carrière et je disais jeune, je disais mais que moi quand la passion, quand j'aurai plus la passion, quoi, quand je sentirai plus cette flamme, j'arrêterai, quoi. Pour revenir aux fonctionnaires, alors, j'admire des joueurs qui ont 40 ans, qui sont restés dans les mêmes clubs, comme Ryan Giggs, comme Paolo Maldini, et qui ont eu la passion jusqu'à 40 ans, jusqu'à 41 ans. Aujourd'hui, il y a Pépé à Porto, il joue, Pépé, il s'appelle. Hein. Ouais, il a 41 ans. Un joueur ans, magnifique. Et c'est un passionné, quoi. Moi, à un moment donné, quand j'ai senti que j'avais plus la force de faire tous les sacrifices qu'il faut, tout ça, mais peut-être aussi parce que j'avais d'autres passions. Et peut-être parce que j'étais aussi pressé d'entrer dans un autre monde et d'essayer d'autres choses, mettre d'autres challenges, quoi. En 86, vous accueillez les caméras du JT de France 3 Bourgogne à domicile. Ah oui. Et vous faites déjà de la poésie. Dans ce monde où les gens se taisent, si par malheur la raison s'apaise, que les cris des désespérés se fassent entendre, même si personne ne peut comprendre, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de limite à la folie du temps quand le bonheur nous surprend. Voilà. C'est ce que vous aviez à dire aux journalistes de France 3. Tu as dit ça aux journalistes de France 3? Non, mais je l'avais écrit, c'est un truc que j'avais écrit. Je vois la tête du journaliste. Ouais. Ouais. Le type n'était pas préparé, quoi. Ouais, ouais. Pas préparé, à mon avis. Non. Ouais. Non, c'était déjà là, très fort. Mais là, j'avais 18 ans déjà. Ouais. Non, un peu plus, j'avais 20 ans. Ouais. Vous arrêtez le foot à 30? J'arrête le foot à 30. Ouais. Mais déjà, je commençais à faire des trucs. Mais le problème, c'est que ça demande tellement de sacrifices, il faut se concentrer à 100% dans le truc. Il y a des moments où si on part un peu trop, le match, on ne le fait pas comme on doit le faire, quoi. Ça demande énormément de concentration, quoi, le football, quoi. Vous avez occulté une partie de vous pour pouvoir bien jouer? Voilà, et donc à un moment donné, je me suis dit, bon, maintenant, c'est fini, quoi, tout ça. J'ai envie de faire d'autres choses, quoi. J'ai besoin de liberté, quoi. Et en même temps, il y a une tension dans un stade. Mais en même temps, il y a une transe chamanique, oui, justement. Et en même temps, je m'étais préparé à ça. À cet arrêt-là? Je m'étais préparé à cet arrêt, bien sûr. Parce que c'est on parle de l'opium du peuple, mais l'adrénaline, les planches, ou le football, ce que ça procure, quoi, c'est une drogue dure, quoi. Donc moi, je ne regardais plus les matchs, je ne voulais plus voir les matchs quand j'ai arrêté. Parce que si je veux voir un match, je vais vouloir revenir, quoi.
parce que j'avais 30 ans, j'étais jeune. J'ai dit non, j'arrête. J'étais un drogué à drogue dure et qu'il faut qu'il aille loin de son dealer, quoi. Donc je partais loin et voilà, je suis jamais revenu. J'ai eu des tentations, je continue de rêver encore que je joue. Faut pas vous croiser avec un ballon, quoi. Faut pas vous... Non, mais maintenant je joue plus. Depuis que j'ai arrêté, j'ai dû faire 2 ou 3 matchs pour vraiment des très 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 bons amis, pour Soccer Aid ou des trucs comme ça, pour l'UNICEF, ou 1 ou 2 matchs. Mais quand on me dit, mais tu joues pas avec les copains, tout ça, mais non, je peux plus. Ma tête, elle dit un truc, du temps que ça arrive au pied, ça prend... Et on est toujours en retard. Et non, moi j'ai fait du foot pour le faire le mieux possible, quoi. C'est pas pour m'amuser, quoi. J'ai pris du plaisir à le faire, mais le plaisir à le faire au haut niveau, enfin, essayer d'atteindre, pas aller à 100% de ce que je peux donner, quoi. C'est m'entraîner comme un malade, me préparer comme un malade pour tirer 100% de ce que je peux donner. Et à partir du moment où j'ai pu ça, je vais pas m'amuser avec des mecs pour être dans la frustration à longueur de journée, quoi. Parce que les mecs, ils s'attendent toujours. Ouais. Quand ils voient un mec de 50 ans qui joue au foot, ils ont l'image du mec quand il avait 20 ans, quoi. Ils se disent, putain, je vais aller voir le... Mais c'est ça, le type, hein, qui... Faut rester désirable, quand même, hein. Ouais. Mais c'est vrai que vous, en 92, à Manchester, donc un an après l'arrivée à Leeds, vous allez en effet gagner 4 fois le championnat, vous allez être fait roi. Vous êtes Eric the King. Une fois avec Leeds. La première fois avec Leeds. Ensuite, quatre fois avec Manchester United. Attention, j'ai beaucoup révisé l'histoire du foot pour préparer cette rencontre. Vous allez être fait roi et vous, finalement, vous mettez un point, vous clôturez votre œuvre en football. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez. Ça, c'est un geste artistique. Mais c'est surtout qu'avant d'arriver en Angleterre, avant de partir en Angleterre, j'ai déjà arrêté le foot. Comment ça ? Ben, j'ai dit que j'arrêtais le foot. Parce que j'avais pris un carton rouge. Ah, le fameux, oui. Ouais. Et puis, je suis allé à la fédération, parce que j'ai une mauvaise réaction, je jette le ballon sur l'arbitre. Ça arrive. Il me met un carton rouge, donc je pars. Et puis, je suis reçu par une grande table, un peu poutine, là, vous voyez, mais sauf qu'ils sont 15, quoi. Moyenne d'âge, 82 ans, de la fédération, et qui sont là pour me juger, quoi. Et puis, ils me mettent 2 mois de suspension. J'ai trouvé ça injuste. J'ai dit, vous êtes une bande d'idiots, et je suis parti. Et j'ai dit, j'arrête le foot. Et j'ai arrêté le foot. Je suis allé voir, comment il s'appelait le maire de Nîmes à l'époque, Cacharel. Ah oui, il était. D'ailleurs, il a beaucoup financé d'ailleurs pour votre venir. Le maire de Nîmes à l'époque, Bousquet. Bousquet, oui. Bousquet, qui était président du club Merci de Nîmes aussi. Merci le public qui suit. Qui était président du club de Nîmes. Et j'ai dit, je vais vous rembourser le transfert. Oui, parce qu'il avait investi beaucoup pour le transfert à Nîmes. Voilà. Et il a dit OK. Et donc j'ai arrêté 3 mois. Et puis Platini, parce que je jouais en équipe de France avant, et Platini était le sélectionneur, et il est venu me voir. Il me dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que j'avais 24 ans. Ouais. Il me dit, je sais pas si c'est une bonne idée, tout ça, tu devrais revenir. J'ai dit, non, je veux plus. Il m'a dit, peut-être que l'Angleterre serait un bon truc pour toi. J'ai dit, OK, mais... Donc, il a mis un mec. Et je me suis retrouvé à Sheffield avant de me retrouver à Leeds. Ah oui. Et à Sheffield, je fais une semaine d'entraînement avec eux. On fait un match amical, on gagne 4-3, je marque 3 buts. Et à la fin de la semaine, il me dit, on me prolonge d'une semaine l'essai. J'ai dit, mais je suis pas l'essai, là. Je sais. Il me dit non, si, et bien j'ai dit OK, je m'en vais. Et là, il y a l'entraîneur de Leeds, Howard Wilkinson, qui apprend tout ça et qui me dit ben, viens à Leeds. Et je suis venu à Leeds et on a été champion. Vous avez été champion. Et puis après, je suis parti à Manchester. Et là va arriver la cantomania, c'est-à-dire cette chose que personne... c'est extrêmement rare de vivre ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que là, vous faites une tournée actuellement pour votre album. Vous allez à Manchester, bien sûr, en Irlande, partout. Enfin, vous allez vraiment être fait roi. Alors, c'est beau parce que c'est la deuxième partie de la tournée. La première partie, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de fans de United parce que c'est le club le plus populaire au monde, quoi, avec le Real de Madrid. Et là, c'est différent.
Il y a des fans de United, mais il y a aussi beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes couples. Et c'est bien. Là, vous parlez de vos concerts. Ouais. Parce que j'allais là-bas pour chanter, et puis en fait, c'est eux qui chantaient. Ils chantaient toujours la même chanson sur... Il y en a plusieurs. Hein. Le drink, Cantona. Drink, 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 where is the king, the king, the king. Il y en a d'autres. Mais c'est bien. Qu'est-ce qui se passe sur le plan du jeu à Manchester ? Un peu comme Denis aussi, qui va trouver à un moment un plaisir, quelque chose qui l'attire dans le théâtre. Il y a quelque chose, il y a un espace de création qui est différent pendant ces 4 années. Oui. Oui, parce que je suis tombé sur Past the Leeds à Manchester, ouais, avec Alex Ferguson, qui faisait beaucoup de formations, qui connaissait très bien les jeunes, qui c'était le Giroud d'un club milliardaire, quoi. C'est-à-dire qu'il connaissait les jeunes de 15 ans, il connaissait leurs prénoms, il connaissait leurs qualités, leurs défauts, il leur parlait à longueur de journée. En même temps, il était avec nous et il gérait des joueurs internationaux, il était capable de tout, quoi. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir, à cet âge-là, entre 26 et 30 ans, qui sont les années, parce que physiquement on est bien, parce qu'on a assez d'expérience. Après 30 ans, on régresse un peu physiquement. Donc ces plus belles années de footballeur, je les ai vécues dans un club où il y avait des grands joueurs et où il y avait un entraîneur extraordinaire qui m'a donné la liberté dont j'avais besoin sur un terrain. C'est ça, qui a fait comprendre aux autres joueurs aussi que j'avais besoin de cette liberté-là. Et on avait tous notre rôle, comme dans une pièce de théâtre, au service d'une pièce, au service d'un texte, au service d'une mise en scène, au service de... Voilà, avec sa vision à lui. Par contre, cette liberté-là, elle se joue de match à match, parce qu'il faut aider l'équipe à gagner. Voilà. Et il faut valoriser aussi la liberté qu'on vous a accordée. Donc il y a une pression... C'est pas une pression, parce que ça, en fait, c'est ce que je demande. Et j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, parce que c'est plus facile de gagner avec des grands joueurs et un grand entraîneur que dans une équipe où il y a de moins bons joueurs. Oui. Oui, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et un football, le football de Manchester, c'est un football... D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi... Est-ce qu'il y avait une différence? J'ai beaucoup d'estime pour Mourinho, par exemple, mais je ne comprends pas qu'à un moment donné, il y a eu... il pouvait prendre ou Guardiola ou Mourinho, et on se retrouve avec Mourinho à Manchester. Bon, enfin, là, je passe, on sort du truc. Pour dire qu'il y a une vision dans les clubs. Barcelone, c'est un jeu très créatif, c'est un jeu de passe, c'est un jeu de format où ils forment beaucoup de joueurs depuis l'époque de Johan Cruyff. Il a calqué le truc de l'Ajax. Il y a une identité de jeu. Manchester, il y a une identité de jeu. À l'époque de George Best, Bobby Charlton, c'est des clubs formateurs qui forment des joueurs, qui en même temps sont riches, peuvent acheter des grands joueurs. Mais avec un noyau comme ça de jeunes qui ont été formés au club et où c'est un jeu très créatif. On joue pour marquer et non pas pour ne pas prendre de but, quoi. Et Manchester, c'est ça l'identité de jeu de Manchester. Donc pour un joueur comme moi, c'est un rêve, quoi. Il y a une école éditoriale, il y a une école de pensée dans un club de foot comme dans une école pas de peinture. Pas dans tous les clubs. Mais dans certains. Paris, par exemple, c'est un jeune club, dis donc. Dites pas ça à Denis, allez nous le fâcher. Ça change, c'est un club qui a... Il a 50 ans, mais il a 12 ans de... Non, je plaisante. C'est un petit garçon. Bon, là, je suis resté sur Borrelli, moi. C'est l'école Barcelone qui arrive avec Luis Enrique. C'est en fait l'héritage de ça aussi. Exactement. Exactement. Et là, l'équipe a changé. Exactement. C'est très étonnant de voir comment ça se passe. Mais ça, ce sera la suite sur la chaîne Twitch de la Comédie Française, le débat, le débat foot. Non, mais Paris, c'est un bon exemple par rapport à ce qu'on dit d'un club riche qui, en même temps, peut faire de la formation. Parce que l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône et le Lyon, c'est quoi? C'est le Rhône-Alpes. Ouais. Ces trois régions où il y a un vivier incroyable de talents, quoi. Ouais. Et donc, Paris, ils ont les moyens de s'acheter les plus grands joueurs. Mais si en parallèle, ils font de la formation avec des joueurs qui ont l'âme parisienne et qui vont grandir comme ça avec le club et où il va y avoir 4-5 joueurs qui vont intégrer l'équipe première. Ils ont enfin compris ça cette année, d'ailleurs. C'est la première année où ils comprennent. Depuis Luis Enrique. Voilà. Mais ça, c'est une... Je ne comprends pas qu'on ait mis tant de temps à réaliser ça, quoi. Alors, Marseille, pareil. Hein. Ouais. Mais Marseille, ils n'ont pas commencé.
Bon, Marseille, autre sujet. Finalement, vous êtes d'ailleurs champion de France avec Marseille, mais vous n'y êtes pas beaucoup quand, en fait, quand ils gagnent. Non, 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 c'est vrai, mais je suis champion quand même. Vous êtes champion quand même. Pendant ce temps-là, le petit Denis Podalydès est sorti du Conservatoire National d'Art Dramatique. Il va vivre une année 92 plus difficile que la vôtre, Eric Cantona. Ah oui, c'était loin de Manchester, oui. Voilà, voilà, vous êtes loin de Manchester et vous avez donc la fameuse affaire de la méningite. Voilà. C'est un metteur en scène d'Hernani. Voilà, qui m'engage pour jouer le rôle d'Hernani. Et puis le premier jour de... Je fais 7 ou 8 auditions pour lui. Il n'a jamais l'air trop sûr de lui, mais il me prend quand même. Et puis, à première lecture devant toute l'équipe, il dit, et puis voilà Denis qui doit faire Hernani. Enfin, il faut qu'il fasse ses preuves. Et il dit cette phrase-là, et ça me tétanise totalement. Et là, je pense qu'un entraîneur qui dit ça à un jeune footballeur, un metteur en scène qui dit ça à un acteur, il le tue. Et donc, de ce jour-là, ma voix devient blanche et je commence à répéter dans une espèce de dans le sentiment d'être dans du carton, de n'avoir aucune émotion, aucun sentiment de m'anime, si ce n'est le sentiment que ça va mal se passer, et ça se passe très mal. Il y a Jean Marais qui est dans la distribution et j'avais absolument interdiction de répéter devant Jean Marais. Quand il était là, je jouais Hernani quand même. Donc, t'es quoi, mais à quel Jean titre Marais disait, mais quand est-ce que je répète avec le petit? Il jouait Hernani, dès que j'arrive... Et puis j'avais découvert que les toilettes avaient une sorte d'acoustique pas mal, intéressante. Et donc je répétais mes grandes tirades, je suis une force qui va, dans les toilettes, jusqu'au moment où Jean Marais va... aux toilettes, il va pisser, il entend « Je suis une force qui va ». Il est retourné voir le médecin, il dit « Le petit, il va pas bien, parce que là, répéter, il va dans les toilettes ». Et donc voilà, ça va comme ça. Et au bout d'un mois, il me remercie. Et alors que, je me suis renseigné, mais il aurait dû en principe me verser la totalité du salaire. Mais il invente un truc, il me dit « Écoute, pour pas te griller dans le métier, on va dire que t'es malade, que t'as, et je sais pas, c'est moi qui propose, une méningite. » Et voilà, très bien. T'as une méningite, donc tu n'es pas viré, et donc je disparais de tout mon cercle d'amis, parce que j'ai une méningite. Vous êtes censé. J'ai des copains qui m'appellent, Eric Elmosnino, qui m'appellent, Denis, alors, merde, je viens de voir. Non, c'est contagieux. Je m'entends lui dire, c'est contagieux, la méningite. Et donc je suis resté, je touche le fond à ce moment-là. Je crois que vous vous retrouvez aussi sur un tournage, on vous abandonne plus tard, à moitié en costume, en rade. C'est drôle, je l'avais déjà fait ce film-là. C'était un film grec, une production grecque, mais joué en français par des acteurs qui ne parlaient pas un mot de français. Et le réalisateur, c'était son premier film, mais quasiment son dernier. C'était un road movie, donc on tournait entre la Grèce, l'Italie, la France et l'Espagne. Et sur la colline de Fiesole, où on tournait des plans à Florence, à un moment, j'étais en costume, et je dis, je vais remplir 2-3 cartes postales, lire un peu là de ce côté-là. Je me mets à part, je regarde la vue de la colline de Fiesole, c'est sublime. Et je fais mes cartes postales, je lis un peu, puis à un moment je me dis, bon, j'allais voir ce qu'ils font. Et plus personne. Les deux camions de l'équipe disparaissent. Non. Et là, il n'y a pas de portable à cette époque-là, rien. Hein. J'attends sur la colline de Fiesole et je me dis, je suis quand même le héros du film. C'est quand même bizarre. Et je me suis dit, je n'imprime pas la pellicule. Je m'en suis pris à moi. J'ai aucune présence à ce point qu'ils peuvent partir sans l'acteur principal. Et j'ai attendu, j'ai vu le soleil décliner. J'ai vu apparaître des individus un peu louches qui apparaissaient sur le haut de la colline de Fiesole. Donc je me balade, je fais des écarts. Et sur le coup de 23h minuit, je vois arriver les camions. Ils étaient partis sur l'autoroute parce qu'ils devaient aller vers la frontière française. Chaque camion pensait que j'étais dans l'autre camion. Donc voilà, c'est deux faits qui m'ont fait un peu douter de ma vocation. Voilà. On peut le comprendre, ouais. Mais il y a évidemment un happy end. C'est vous intégrer la Comédie Française. Alors, oui, 97. L'année où Eric Cantona arrête. C'est fou, hein. Ouais. 97. Ouais. Moi, je me rappelle de ça, quand Eric a arrêté. Je ne comprenais pas.
Je me disais, mais c'est fou, il arrête en plein. C'était très mystérieux. Et en même temps, j'avais une certaine... Je me disais, chapeau. Enfin, ça me paraissait très noble. Mais la noblesse, c'était quelque chose qu'on attribuait aux joueurs Cantona naturellement. C'était... Bon, il y avait ce port de tête, port d'épaule, le col, mais cette façon des célébrations de but qui était la plus... J'ai encore revu en vidéo, je ne peux pas me lasser de ce moment-là, de ce but. C'est un but qui part... C'est contre quel club? Tu sais, le but Sunderland. Comme ça. Sunderland. Voilà. Ah bah oui. Et là, il se retourne moi vers aussi, le stade. Comme ça. Lui-même, je pense, surpris de la perfection de l'action. Ah oui, c'est vrai, Eric, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Non, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là... Attention, quand il y a des héros, on peut avoir une anecdote qui... Ah zut. Non, parce qu'en fait, le gardien de Sunderland, c'était un gardien avec lequel j'ai joué à Nîmes, qui était un jeune mec qui sortait du centre de formation et qui intègre l'équipe première. Moi, j'étais international à l'époque. Donc et puis j'avais eu la chance, moi, quand j'ai démarré à Auxerre, d'être avec Andrzej Zarmak, le grand Polonais, Zarmak, qui m'a... quand un ancien voit un jeune, soit il essaye de le détruire, soit il essaye de transmettre quelque chose. J'ai eu la chance d'avoir un mec comme Andrzej Zarmak. Donc moi, ça m'est resté, ça. Donc j'ai essayé de l'aider, quoi. Et donc je l'ai aidé, machin. Et puis quand je pars en Angleterre, machin, ici, là, lui, il se retrouve à Sunderland, et il est gardien donc, de Sunderland, et on est dans le couloir avant de rentrer dans le match, et moi, je suis capitaine, donc je vais lui serrer la main, puisqu'il est devant, là-bas. Et il me regarde comme ça, il ne me serre pas la main. Mais non. Ah. Donc, parce qu'il voulait m'impressionner. Eh oh, je joue en Angleterre, moi aussi. Donc, quand je marque ce but, je pense qu'il y a de ça. Ah oui. Un petit peu. Ah oui. Tu m'as pas serré la main. Parce que pour un gardien, c'est l'humiliation. Il est lobé. Il est lobé. Prendre un but comme celui-là. Quoi. Ce qui est beau, c'est que la balle part en douceur. On a l'impression que c'est au ralenti. C'est à pleine vitesse, en fait. Mais c'est au ralenti et la balle part en cloche. Tout le monde, le stade entier, enfin, on sent que les gens regardent. Il y a une sorte d'arrêt sur image, de ralenti, et, paf, et ça se dépose dans la lucarne. Vraiment la lucarne de la lucarne. Donc c'est un but absolument magique qui fait le tour du monde, toujours maintenant d'ailleurs. Le nombre de vues, tu ne peux pas imaginer, je crois. Et il est humilié quand même, là, pour le coup. Là. Oui, mais c'est plus. C'est là où le foot touche à une espèce de moment où le temps est à l'arrêt complet. Le temps s'arrête. Et il y a ce but qui est marqué, je pense qu'il y a même la clameur, elle est... Mais il y a de ça aussi. Elle est suspens, quoi. C'est de prendre comme ça tout. Oui, oui, il prend toute l'énergie autour, du stade. Et pas forcément de courir dans tous les sens. Parce qu'une fois, par contre, quand j'étais avec Auxerre, je marque un but à la dernière minute à Metz, sur un coup franc, et j'avais 20 ans, et je me mets à courir partout. Tous les joueurs qui essayent de m'attraper, il n'y a personne qui arrive à m'attraper, je cours jusqu'à dans mon camp, et on se retrouve tous dans notre camp à célébrer le but, parce que c'était à la dernière minute. Et là, en fait, moi, j'ai appris qu'il y avait une loi de jeu. Si toute l'équipe est dans son camp, les autres peuvent faire l'engagement et aller marquer. C'est non. Ah. Et donc, on s'est tous remis en place. Non, non. Parce qu'il y a un mec qui a crié, je crois que c'est Giroud sans doute qui devait connaître la règle. Et vous dire, mais revenez. donc, en tout cas, les coulisses de ce but que vous adorez et qui est très célèbre, c'est qu'au départ, il y avait eu aussi un échange de regards et de mains qui ne se serrent pas, un peu étrange. Et du coup, ça vous motive dans votre geste artistique, mais vous êtes porté aussi par la clameur. C'est ça l'histoire du but. Ouais. Je crois qu'un acteur ne peut pas soupçonner, parce que moi, je me demandais qu'est-ce que ça fait de jouer avec un public qui, la clameur du public qui hurle en permanence, qui scande, qui chante, donc qui pousse le joueur, qu'est-ce que c'est? Parce que nous, on joue devant des publics silencieux. Quoi? Attentifs, passionnés, peut-être, sans doute, qui nous portent d'ailleurs tout autant, mais ce fait, je n'arrive pas à mesurer l'augmentation de l'énergie que donne ce surcroît de présence du public, surtout que c'est pas 400 ou je sais pas combien on est, 500, c'est des stades de 60 000 places, à Manchester je sais pas combien il y a de places, mais c'est 60 000 personnes. Il y a quelque chose de la lévitation, ça a toujours été mystérieux pour moi par rapport à toutes les autres disciplines artistiques, quand on joue, quand on exprime son art dans un tel climat. Qu'est-ce qu'on ressent, Eric?
On a vu pendant le Covid, il y a eu des matchs avec les mêmes joueurs, les mêmes équipes, le même enjeu. 100 personnes dans les tribunes, il ne se passe rien. Tout le monde s'emmerde. Je ne sais pas, vous avez dû sans doute. Les gens s'embêtent, les joueurs s'emmerdent, tout le monde s'emmerde. Quoi. PSG est arrivé en finale de la Champions. L'année où tout le monde s'emmerde. Et allez. L'année où tout le monde s'emmerde, le PSG arrive en finale. Et ils ne sont même pas capables de la gagner. Quoi. Et oui, le public a une énergie, quoi. Il y a un truc, c'est super important. Après, quand vous avez fait du théâtre, par exemple, du coup, vous pouvez comparer parfaitement. Voilà, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir d'autres passions qui, justement, où je pouvais avoir aussi un truc avec le public. Et pas au niveau de Denis, évidemment, mais il y a quand même un échange, quoi. Et je trouve que ce qui se rapproche le plus du foot, enfin ce que j'ai vécu moi en tous les cas, c'est la musique. Se retrouver sur scène. Déjà la musique en elle-même, quoi. La musique, les vibrations de la musique. La musique c'est ancestral, quoi. C'est à 2000 ans. Ça existait déjà avant d'écrire des notes de musique. Mmh. On voit un gamin qui marche à peine, il entend une musique, il commence à battre, il commence à rythmer, à danser. Il y a des vibrations dans la musique, il y a un truc qui est magique dans la musique. Déjà il y a ça. Et quand c'est partagé avec cette énergie, des gens où justement il n'y a pas ce silence, où il y a une interaction, quoi, où ils s'expriment aussi. Après, on peut s'exprimer dans le silence aussi, mais où ils s'expriment. Il y a une magie dans la musique. Enfin, moi, ce truc où on est dans un autre monde, au moment du but, évidemment, on n'est plus là, quoi. Et pour les supporters. Ouais. Et pour les joueurs. Et dans la musique, moi, je vis ça. Je vis ce truc d'être d'un coup dans un autre monde, quoi. Mais c'est magique, quoi. Et c'est ce que vous recherchiez, finalement, quand vous arrêtez le football. Là, on a passé parce un peu toutes les libertés. Cet épisode. Mais il y a eu le cinéma, bien sûr. Étienne Châtillaise, Le Bonheur est dans le Pré. Ouais. 9 mois de suspension après ce qu'on a appelé l'affaire Cantona en 95, ce supporter xénophobe que vous lui envoyez un kick. Bref. Et vous avez 9 mois de suspension que vous transformez en carrière cinématographique puisque vous arrivez chez Châtillaise. Puis après, le cinéma va continuer. Et finalement, il y a beaucoup de terrain de jeu jusqu'à la musique. J'ai appris la trompette à ce moment-là aussi. La compète. Bon, la trompette. Ah, la trompette. Ah oui. Oui, ouais, je ne suis pas un phénomène. Hein. C'est pas Ibrahim Malouf. Non, mais par contre, j'écoutais beaucoup Miles Davis, Chet Baker, Miles Davis que j'avais vu à Bordeaux, quand je jouais à Bordeaux. Pendant 2 heures, quoi. Tu vois, le temps s'arrête, mais j'avais l'impression qu'il avait chanté 20 minutes. Hein, Rachida, elle est là, je te l'ai dit plusieurs fois. Et en fait, il avait chanté plus de 2 heures, le mec. Quoi. Ah oui. Dos au public. Oui. C'était magique, quoi. Et donc, je me suis dit, ben non, je ne suis pas Miles Davis, mais je vais faire de la trompette, tu vas en profiter. Donc là, vous commencez la trompette. Donc je commence la trompette. C'est pour ça que dans le film de Ken Loach, à un moment donné, je joue de la trompette. Ah, Looking for Eric. Looking for Eric. Voilà. Et en même temps, je me dis, ben, si je peux tourner, je vais tourner. Vous allez choisir vos films, vous cherchez des films qui comptent. Enfin, qui bougent quelque chose dans le réel. Enfin, en tout cas, vous avez une filmographie. Soit ça vous parle, soit ça transforme quelque chose, soit pas, j'ai l'impression, dans vos choix. En tous les cas, les choix que je fais, c'est des choix, je crois, pour des raisons, des bonnes raisons, quoi. Voilà, soit c'est un sujet, comme un film que j'ai fait sur le Colosse et un rugbyman qui a été violé, tout ça. Ouais, le Colosse au pied d'argile. C'est un film pour la télé, mais ce genre de sujet, s'il est vu par des millions de gens, c'est mieux, quoi. Voilà. Et je peux faire des films intimistes avec des réalisateurs comme Sébastien Bête-Bédé. Oui, vous faites deux films avec Bête-Bédé jamais su, en 2016. Je gagne rien. Ouais. Ah, ils vous payent pas? Mais non, mais c'est le minimum syndical, tout ça, mais je m'en fous. C'est-à-dire là, c'est pour l'aventure artistique. C'est la poésie, en fait. Sujets sensibles de société ou des trucs comme ça. Une série que j'ai faite, Dérapage. Ouais. Ben, ça parle de quelque chose. Ça parle de quand tu as 50 ans, tu perds ton boulot et puis tu n'existes plus, quoi.
Donc à ce moment-là, vous, en fait, vous accompagnez des récits qui font sens pour vous, mais vous n'avez pas encore vos propres mots, vos propres récits. C'est ça que vous cherchez jusqu'à finalement là où vraiment... Vous allez d'abord écrire pour Rachida Brakni, d'ailleurs, vous écrivez sous un pseudo, vous lui écrivez Non, d'abord j'ai écrit, d'abord j'ai écrit à Eric Cantona, son album, j'ai écrit les paroles. Et puis il y a une journaliste d'un grand magazine culturel et qui était chargée de la musique. Et on lui dit, tu as écouté l'album de Rachida Brakni? Je n'ai pas écouté l'album de Rachida Brakni avec des paroles écrites par un ex-footballeur, Eric Cantona. Bon, why not, hein? Sauf que du coup, après, elle a créé un groupe avec l'éditeur, avec Gaëtan Roussel. Ouais. Et j'ai écrit une chanson, mais j'ai dit, par contre, je vais écrire sous pseudonyme. Et donc, ils sont allés voir cette même femme. Vous avez écouté l'album de l'éditeur? Elle a dit, ah ouais, et super, ma chanson préférée, c'est Le Temps Passe. Ah ouais? C'est celle que j'avais écrite. Mmh. C'est celle qui est signée de... Bien sûr, celle qui est signée d'Auguste. Attendez, redonnez-moi votre pseudo, Auguste... Auguste Rorich. Auguste Rorich. Que... Ah ouais, l'histoire de ce pseudo est géniale. Vous me la racontez. Auguste, parce que c'est mon grand-oncle de l'Ardèche que je n'ai jamais connu. Ma grand-mère me racontait des histoires... Et elle m'a fait rêver, donc c'est mon idole. C'est un ermite, d'une grande barbe. il vivait de la nature, il vivait. Voilà, il allait lui prendre des truites dans les rivières. Hein, je sais. Voilà. Et Raoul Rick, parce que c'est le prénom de mes. Le nom maternel de ma mère, de jeune fille de ma mère. C'est mes grands-parents catalans. Espagnols, catalans. Ouais, c'est catalan. Ouais, catalan. Et donc cet Auguste Raoul Rick, c'est. Tout d'un coup, on adore ce qu'il fait, c'est formidable. Il est débarrassé non, de ce présupposé de footballeur, ouais. cette mention. Non, on a tous des a priori. Moi, j'ai des a priori, des fois. Mais ben, il faut savoir dribbler, quoi. Par exemple, si Denis Podalydès se mettait au football, est-ce qu'il serait toujours cet acteur de la comédie française qui joue au football? Ça vous collerait un peu à la si peau. Je faisais comme vous... si je m'arrêtais de jouer et vraiment de. Ouais. Bah je me suis posé de me demander s'il y avait des équipes seniors, bien seniors. Et pourquoi pas? Parce que peut-être maintenant j'ai peut-être un jeu plus. Malheureusement non, je crois pas. Non. Enfin, j'aimerais, je rêverais de ça. Pas. Rien n'est plus beau pour moi qu'un terrain de foot, surtout quand il y a des. Je n'aime pas les cages quand il y a pas de filet. J'aime pas jouer, j'ai trop joué avec deux pulls qui faisaient les buts, ou avec des cages rouillées où il n'y a pas de filet, ou des filets troués. On va chercher, on passe un temps à chercher les buts sur la route ou au-delà des arbres. Mais ça, encore maintenant, ça me touche profondément. Alors ça, j'adorerais, oui, pouvoir faire vraiment... Et vous j'ai pensez... fait ça à une époque, tout le monde a fait ça, on allait soit à Vincennes, soit à l'univers, porte de, enfin bon, bref, on se retrouvait entre amis et on faisait des matchs, ça j'ai adoré ça, même des matchs à 6, 7, 8, 13, 20, là je me suis donné à fond, je jouais très très mal, mais j'influais sur l'équipe quand même. Et est-ce que ça t'arrive de rêver que tu joues au foot au haut niveau? Bien sûr. Ah bah voilà. Je m'endors aussi avec ça un peu. Mais je me place pas trop haut. Ouais. Je me mets modestement quand même. Je me voyais toujours arrière-gauche, moi. Ouais. Et quand j'ai joué, j'étais arrière, mauvais arrière-gauche. Donc tu joues devant 50 000 personnes, par des prêts. J'ai rêvé de ça, bah, bien sûr, j'ai rêvé de ça. Et quand je vois, quand je suis au stade, en fait, quand on est... On assiste à un match, on est hors de soi. Mmh. Surtout ah oui. Un but qu'on célèbre, on est hors de soi. D'ailleurs, je sais, je n'ai pas la même voix au stade que dans la vie. Mmh. Ah oui. Les hurlements que je pousse, je me dis, mais qui a crié comme ça? Je peux être des jurons abominables. Non, jamais haineux. C'est jamais haineux. Je crois au contraire, justement, le foot m'enlève toute forme de haine. Je regardais, là, j'y étais... hier soir, et je peux voir, j'ai vu un très beau but lyonnais, je me suis dit, waouh! J'avais une forme d'admiration. Immédiatement, ça se transforme en goût esthétique quand même.
Je m'en fous un peu d'ailleurs de est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va pas gagner. Bon, bien sûr, j'y pense. Quand il y a quand même ce on hein, qui est toujours un petit oui, peu. Oui, parce que le on, quand on est abonné aussi à un club, on finit par avoir des rapports aux joueurs, le fait de les voir régulièrement, on crée une sorte d'intimité alors qu'eux ne nous connaissent pas. Mais je m'identifiais par exemple une sorte de père adoptif de Verratti quand il est arrivé. J'adorais ce joueur. J'ai pleuré quand il est parti. Il a fait un tour du terrain. J'ai cru qu'il pleurait pour moi. Je pleurais. Et je me disais, je peux l'adopter, Verratti. Ne faites pas de mal à Verratti. Ne déprimez pas Verratti. Faites-le jouer. Même s'il a mal joué, eh ben, on s'en fout. Les notes dans l'équipe, je ne supporte pas ça. Ça m'énerve. Je me dis, est-ce que nous, acteurs, on accepterait que toutes les semaines, dans le journal, on dise, bah, monsieur Podalydès, on est à 3. Et à la matinée du 12, là, c'est pas ce qu'il nous a fait. Conférence de presse. Oui, mais les footballeurs se prennent dans la tête quand même. Et ce sont souvent des gens très jeunes. Ouais. La France entière, et même le monde entier, se permet de les juger. Moi, c'est pour ça que quand on parle de la pression là, sur un footballeur, c'est énorme. Les journalistes sont là en permanence. À un moment, je me disais, mais pourquoi les entraîneurs ou les joueurs viennent systématiquement parler? Mais en fait, c'est une obligation. Ouais. C'est une Eric, obligation. On est obligé d'aller s'expliquer de sa semaine de performance? Moi, je ne le faisais pas. Oui, mais c'était Cantona. Mais oui. Il pouvait. Ouais. I'm not a man. Mais aujourd'hui, la pression financière, elle est telle. Les intérêts d'argent sont tels vis-à-vis des sponsors, des télés, que j'ai l'impression que tu es obligé d'être avec le panneau horrible derrière, où il y a plein de marques là. Et mais de quand on pense à votre geste, Eric, en 95, justement, contre ce supporter xénophobe, on se dit finalement la lecture de l'événement serait différente peut-être aujourd'hui. On aurait peut-être plus réfléchi sur la xénophobie dans les stades. Moi, vois ce joueur brésilien qui fond en larmes devant les caméras en disant j'essaye de bien jouer, j'essaye de bien jouer toutes les semaines. Et j'ai un obstacle, malgré tout, qui est comment on me regarde, qui sont les insultes que je reçois, qui m'empêchent en fait, de performer. Donc en 2024, on se rend compte que c'est encore très prégnant et que vous vous lanciez un peu l'alerte à ce moment-là. Moi, je pense que parmi ces gens qui insultent Vinicius, puisqu'on parlait de Vinicius, y a sans doute des racistes, mais il n'y a pas que des racistes. Il y a aussi des gens qui sont là pour... Tout est bon pour déstabiliser l'adversaire. Ils sont capables de tout. Ils sont capables d'insulter des mecs. Ils sont capables d'insulter des mecs de propos racistes, alors qu'ils ne le sont pas. Tout ça pour déstabiliser l'équipe. Voilà. Maintenant, c'est un truc sérieux. On parlait tout à l'heure. À Milan, et à l'époque, il y avait un club qui s'appelait le Milan. C'était Milan AC. Et dans une réunion comme ça, une partie des mecs des directeurs, quoi. Il y en avait qui voulaient prendre des joueurs étrangers, des joueurs de couleur, tout ça. Et les autres, donc ils sont partis et ils ont créé l'International de Milan. Donc l'Inter de Milan, aujourd'hui, c'est l'International de Milan. Et l'International de Milan, il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans, machin, il y a des supporters qui ont des chants racistes, qui envoient des bananes à des blacks. Ils ne savent même pas pourquoi ils supportent leur équipe. Quoi. Voilà. Mais tout à l'heure, je te posais cette question, parce que quand j'étais à l'école, moi, à la SU, à l'époque, on faisait des trucs d'athlétisme. Là. Et moi, j'adorais le triple saut. Je trouve que c'est exceptionnel, le triple saut. Non, mais les mecs, ils font plus de 18 mètres en faisant ils partent sur la jambe gauche, ils arrivent sur la jambe gauche, ils font 6 mètres. Ils se donnent l'impulsion à arriver sur l'autre jambe et ils finissent sur 2 jambes. Et j'adorais ça. Et j'étais pas mauvais. Et aujourd'hui encore, je rêve que je bats le record du monde. Ah vous ? Mais c'est pas la que nuit, je vous rêvez au triple saut, vous, Eric Cantona. Non, mais c'est pas que je bats le record du monde de 3 cm. C'est-à-dire que je n'atterris jamais, quoi. Et là, je me réveille. Mais tous ces trucs d'enfant qu'on a et qu'on n'a pas pu faire, quoi. Moi, j'ai 58 ans, je rêve encore de ça, quoi. Et vous allez faire peut-être Vous allez essayer ou pas Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre à tous les deux? Bon, on a un peu croisé vos destins, vos destinées en parallèle. Là, ça commence à se tricoter ensemble. On est donc en 2010-2011. Les deux voies se croisent, là. Ouais. Moi, je m'en souviens parfaitement. Je raconte. Moi aussi, tu racontes. Bah, chacun son point de vue. C'est un peu comme dans Tournée Manège. Après, on alors, verra. Moi, ça,
je jouais une pièce mise en scène par Dan Djemet, La Grande Magie, et Dan Djemet, metteur en scène, anglais, je ne sais plus comment on avait convenu, c'est avec Rachida que c'était convenu, que vous veniez voir le spectacle et que vous alliez rencontrer, parce que je crois qu'il y avait déjà un contact avec Dan, il me semble, et il était convenu de se rencontrer après au Nemours. Et Dan me dit... C'est un café à côté de la Comédie Française. Denis, je vais, on va rencontrer Cantona. Tu ne peux pas savoir ce que ça me fait. Je suis mort de peur. Il était dans un état de tension extrême, c'est le titre, pour moi. Et lui, en plus, c'est un supporter d'Arsenal. Ouais. Je le dis. Supporter d'Arsenal. Mmh. Déjà, l'état dans lequel ça le mettait. Alors, j'imagine s'il avait été supporter de Manchester. Il était comme ça, comme ça. Il disait, tu viens aussi. Ouais, t'inquiète pas, je viens. Et même moi, j'étais hyper intimidé. Puis voilà, à chaque fois que je rencontre, je n'ai pas rencontré les footballeurs, mais je peux voir n'importe quel star acteur. Ça, dans le fond, ça ne me touche pas tant que ça. Mais un grand footballeur, alors là, il y a quelque chose de totalement magique, chamanique, c'est ce que je disais. Et donc, j'accompagne Dan, moi, on était tous les deux tremblants. Et puis, on retrouve Rachida, donc heureusement. Rachida, on avait joué ensemble dans Ruy Blas, on se connaît bien. Donc voilà, et je vois, j'ai l'impression qu'il occupe tout l'infini. Eric, qui est là, droit. Et je sens que Dan vraiment disparaît, la tête baissée comme ça. Et Dan, je vois qu'il dit à peine bonjour comme ça. Puis Eric était un peu, je pense, était un peu gêné. Il dit, mais bon, il ne se passe pas grand-chose. Et Dan est obligé de prendre une bière. Ouais. Il la boit. Une deuxième bière. Toujours la tête baissée. Troisième bière, il la boit. Et là, le regard monte. Et c'est le premier regard échangé. Enfin, c'est mon souvenir. Ça se trouve, c'est peut-être pas tout à fait. J'ai sans doute réécrit la légende, un peu. Mais il y a de ça. Il y a de ça. Dan était absolument. Ah, parce qu'après, on en a énormément parlé de cette rencontre entre Dan et Eric. Et ils ont fait ce spectacle après. Ce spectacle d'Alfred Jarry. Votre version, Eric Cantona. Combien de bières avant le bonjour? Non, ma version, c'était un plaisir. Moi, j'adore voir des grands spectacles, j'adore rencontrer. Mais j'adore rencontrer tout le monde, moi, il y a plein de gens que j'aime bien. Les gens, ils sont toujours, ils sont toujours très respectueux et très, très polis avec moi. Je sais qu'il y a des jeunes aujourd'hui, machin, les mecs, ils arrivent, ils ne demandent rien. Ils disent, tiens, vas-y, viens, fais une photo, tout ça. Moi, tous les gens de toute génération ont toujours été hyper respectueux, hyper polis, hyper machin. Donc moi, on a plutôt envie de te respecter. En même temps, oui, il y avait peut-être des précédents qui font que alors les gens ne vont pas sur ce terrain. Ah ouais, quand même. Non, mais quand je sens une bienveillance, je sens un amour, un amour. Voilà. C'est pas que physique, quoi. Voilà. Mais Dan et Denis, je m'en rappelle très bien. Et après, on a fait ce spectacle et on a passé beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et il avait arrêté de boire à un moment donné. Il a complètement arrêté. Ouais, c'est ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ouais, il a complètement arrêté de boire. Ouais. Après, ça allait. Ouais. Pendant le spectacle, c'était sujet. C'était magnifique, la grande magie. Non, ça allait. Pendant le spectacle, comment? L'alcool. Pendant le spectacle. Dan Djemet, non, je vous le dis. Ah non, Dan, oui, il avait, dès qu'il était un peu, oui, à ce moment-là, oui. Non, mais je me souviens, parce que c'était de voir ce metteur en scène aussi bouleversé, de rencontrer Eric. Et je sentais qu'en plus, il y avait l'anglais qui était en lui, qui, je pense que Eric en Angleterre a eu un. Je ne sais pas, c'est magique en fait ce qui s'est passé avec le public anglais. Et quand on voit, même si on les voit en vidéo, ça transmet, ça se transmet. Il y a toute une équipe qui, c'est vrai, jouait ensemble, la qualité des passes, enfin du jeu de passes, quand on aime le foot, on a vraiment l'impression qu'on voit la quintessence de la beauté. Enfin, c'est très très émouvant d'entendre les chants, etc. Donc je pense que pour un Anglais, rencontrer Eric après l'avoir vu à la télévision, dans les stades, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. C'est pas simplement un truc midinette. Non, il y a quelque chose
qui est un peu de l'ordre du religieux ou de ouais. choses qui dépassent un peu. Mais il y a un truc avec les Anglais et les pays anglo-saxons. Depuis déjà très longtemps, ils ont un profond respect des sportifs. Oui, qu'on n'a pas en France. Qu'on commence à avoir. Qu'on commence à avoir tout de suite. Je crois qu'il y a eu un mépris pendant longtemps des sportifs en France, qui continue d'y avoir, surtout dans le milieu artistique, intellectuel, tout ça. À l'époque, Nicolas de Staël est allé voir un match au Parc des Princes, c'était une révélation pour lui. Il a fait toute une série sur le football et il a commencé à être méprisé. Quoi. Par le sujet qu'il avait choisi. Voilà. Et vous je trouve que ça commence à changer. Et donc, quand moi je vois en France des gens qui ont cette passion pour le football, ces artistes, ces grands artistes qui ont cette passion pour le football ou le basket hein, aux États-Unis ou pour le sportif, quoi. Et ce respect, eh ben, ça me fait plaisir. Quoi. Parce qu'il y a mille formes d'intelligence, parce qu'il y a ce mépris, parce que le sportif, ben c'est un sportif, il court après un ballon. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit, mais ils courent tous après un ballon, mais donnez leur 11 ballons. Comme ça, ils ne se battront pas pour le ballon. Quoi. Je ne sais pas qui est cette personne. Non, mais ça, c'est un des discours. Voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, ça commence énormément à changer en France. Donc moi, que des gens... des grands acteurs, metteurs en scène, tout ça, et cette passion et ce respect pour le sportif, ben, ça me fait plaisir. Et vous, quand vous êtes arrivé dans le domaine artistique après le football, de toute façon, vous saviez que de toute façon, vous alliez faire quelque chose dans l'art, quoi qu'il arrive, quand vous avez arrêté en 97. Ouais. Comment est-ce que justement vous avez vécu cette arrivée dans ce monde culturel, mis à part la journaliste de ce magazine que vous avez cité, j'ai tout à apprendre. Parce que moi, je viens d'un milieu où j'arrête, tout se passe bien, les gens ont cette image de moi, machin, je suis plutôt en haut de la pyramide, quoi, plutôt en haut. Et là, je commence un truc où je suis complètement en bas, quoi, sans expérience, sans rien, sans, peut-être pas de talent, je ne sais rien. Et où j'ai tout à apprendre. Mais mais je suis jugé là aujourd'hui. Quoi. Donc évidemment, entre l'image qu'on a de l'ancien et ce qu'il est en train de faire, ben, y a ce décalage. Et les gens ne peuvent pas accepter qu'on puisse faire autre chose. Déjà, on passe de acteur à chanteur. Mm. Je ne parle pas pour moi, hein, mais d'autres. Ouais. C'est compliqué. Il y a déjà plein d'a priori. Ou de chanteur à acteur, il y a plein d'a priori. Donc, footballeur à acteur, c'est encore pire, quoi. Vous voyez ? Donc, et le temps et l'expérience fait que, ben, on devient un peu, peut-être pas bon, mais meilleur en tous les cas. Et en même temps, les gens sont prêts à accepter qu'on puisse faire autre chose. Donc aujourd'hui, je crois que j'en suis là. Mais ils ont accepté. Et moi, j'ai progressé et je m'amuse, quoi. J'ai assez pour m'amuser, assez de confiance pour m'amuser. Et donc, ça ne me suffit plus. Donc, je commence la musique. Vous commencez donc, la musique. Attendez, je vais faire de la musique. Ouais. Donc je fais mes chansons, j'ai écrit la musique, j'écris les textes. Et là je dis, mais je veux pas faire un album, moi. Je veux faire un album live. Ouais. Et donc je me retrouve à Manchester, mon premier concert dans une salle pleine, avec des journalistes qui sont venus me juger. Avec des gens qui sont là parce qu'ils m'aiment, mais aussi tout le monde est là pour juger, alors que j'avais même pas chanté dans un pub, quoi, avant. C'est-à-dire que la première fois que je chante devant trois personnes, c'est ce jour-là. Là, voilà. Vous avez fait tout de suite le grand stade. Tout ça pour dire cette remise tout le temps sans ça. Sans ce truc de travail, de ce travail-là naît cette confiance, et de cette confiance peut naître du plaisir, eh bien, dans plein de domaines, il faut que je l'explore, sinon je meurs. Voilà. Donc ce que vous recherchez, c'est ce moment où vous touchez un point de ce confiance. Ce moment où je ne sais pas où où je ne sais pas où ça va se passer, comment ça va se passer. C'est un défi majeur. Et c'est un challenge, parce que finalement, qu'est-ce qu'on risque à part d'être ridicule?
Et de toute façon, on est toujours ridicule pour certains et géniaux pour d'autres. D'ailleurs, je lisais une interview croisée de vous et Rachida Brakni qui disait qu'elle avait plus peur du ridicule que du vide, et vous plus du vide que du ridicule. Moi, j'ai peur du vide. Ouais, j'ai peur du vide. Mais j'ai peur, le ridicule ne m'enchante pas trop non plus. Oh, j'adore ça. Mais du coup, j'ai trouvé la formule, je me dis, on est toujours ridicule pour certains et puis géniaux pour d'autres. Ce qui te donne la force de partir, quoi. Mais cette peur du vide, cela dit, c'est quand même quelque chose que vous avez tous les deux. Il y a une hyperactivité chez l'un comme chez l'autre. On dit de Denis que lorsqu'il est dans sa loge, il est en train de lire un texte pour un autre tournage, ou qu'il a en lui... on n'a pas parlé de toute votre carrière cinématographique qui est immense, Denis Podalydès, y compris aussi avec Bruno Podalydès à la caméra. Et vous avez tous les deux, en fait, ce besoin d'être dans un texte, dans une proposition, dans un défi en permanence. Il y a une électricité, en fait, à 2000 volts dans votre vie, à l'un comme à l'autre, j'ai ce sentiment. Moi, je ne sais pas, parce que m'a toujours, pas forcément reproché d'ailleurs, de ne pas arrêter, de faire plein de choses, trop de choses, dans ma famille comme les amis aussi. Or, j'ai jamais eu l'impression, par exemple, d'être boulimique, de vouloir tout faire tout le temps, d'être comme ça, je veux... Je ne sais pas, c'est des successions de rencontres, de goûts, des curiosités diverses qui m'ont toujours poussé. Enfin, je remarquais d'ailleurs chez Eric, c'est ça, c'est qu'en fait, le goût des arts, il l'a eu, tu disais, enfant. C'est arrivé enfant. Et moi aussi, enfant, j'ai eu le goût du jeu, le goût de la mise en scène, le goût de la littérature, de l'écriture, et la faculté aussi de rencontrer des personnes qui me proposaient. Et à qui je ne savais pas dire non, mais en fait, comment se créer une sorte de petit creuset culturel, je ne sais pas comment dire, qui fait qu'on est sollicité de plusieurs côtés. Et je n'ai pas eu l'impression de me jeter sur tout ce qui passait à ma portée, mais que plutôt des portes se sont ouvertes et j'ai regardé là, ça m'a intéressé. Et donc j'ai voulu aller y voir. Et sans doute, je n'arrivais pas à diminuer les sollicitations. Maintenant, je le fais beaucoup plus, parce que ça m'a fatigué quand même. Et maintenant, j'ai beaucoup moins... j'ai des curiosités très grandes, mais je creuse un peu dans le même sillon quand même. Je ne suis pas... la musique, c'est toujours quelque chose que j'ai adoré, mais c'est un peu comme le foot. Je suis manchot. Je chante comme une casserole. Et même quand j'ai revu le film de mon frère, là, et moi, je croyais chanter tellement bien. Et quand on a tourné les deux Alfred scènes, non, pas les deux, c'est un film qui sortira en juin. Ah, qu'on n'a pas encore la vu. La petite vadrouille, et hier. Et en fait, dans le dialogue, je ne comprenais pas pourquoi Daniel Auteuil me disait « Il chante faux, mais il chante bien, il chante faux, mais il chante vrai. » Et je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Pourquoi on n'avait pas coupé cette phrase? Et puis hier, j'ai compris. Et pourtant, cette chanson, je l'ai travaillée. C'est, en plus, c'est une très belle chanson, elle était si jolie. Et je croyais la chanter bien. Ben voilà, j'ai plus de limites. Alors, j'ai des petits terrains où je peux aller. Donc, voilà. Mais ni la musique, ni le foot, ça restera quand même pas mal. Le sport. Donc, en fait, si vous aviez des dons dans tous ces terrains, vous y seriez aussi? J'aurais adoré, oui, j'aurais essayé, mais se jeter dans un pré et puis courir, courir. Je ne peux pas être dans un espace sans essayer de le parcourir, de regarder où c'est. Je suis avec plusieurs personnes, je vais essayer de voir qui sont ces gens. Il y a une sorte de curiosité naturelle, voilà. Je pourrais dire que c'est ça qui a alimenté aussi un peu l'énergie. Est-ce que pour vous, Eric, c'est ça, c'est une curiosité naturelle, structurelle qui vous a amené à faire et de la peinture, et de la musique, et du théâtre, et du cinéma, et aussi de la production de films, de la réalisation? C'est un monde qu'on observe et pour créer son propre truc, son propre monde, quoi. J'ai surtout besoin d'un sentiment de liberté quand je fais les choses, quoi. C'est surtout pour ça, je crois. Parce que la vie a fait qu'il y a des moments où ça a été... où on se demande, enfin, tout devient compliqué,
Et j'étais très proche. Ce qui m'a beaucoup aidé avant toute chose, c'est l'écriture automatique. Pour moi. Hein. Ouais. Parce que c'est des choses qu'on ne partage pas, quoi. Et d'écrire, sans avoir à se juger, parce que de toute façon, on sait que ça ne sort nulle part. Et on écrit comme ça. J'écris des pages. Parce que c'est des choses qu'on n'arrive pas à sortir, quoi. Parce qu'on est, à un moment donné, on est enfermé dans un truc et on n'en sort pas, quoi. On est dans un prisonnier de sa pensée, de ça. Donc, ça a été ça, mon moteur, au départ. Et ensuite, aujourd'hui, quand j'écris des chansons, je pars dans cette idée. Et ensuite, je trouve une musicalité dans les mots et je sens que je pars vers une idée et j'essaye de la garder, mais tout en gardant aussi cette liberté-là. Donc, je suis entre l'inconscient et le conscient, là, ce petit truc-là qui est... petite ligne-là, ouais. Microscopique-là. Et j'essaye de rester là-dedans. Et je le fais que pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est vital, quoi. Pour moi, c'est vital. Et c'est pour ça que si je n'ai pas ça, je finis interné, quoi. Mais ça peut avoir son charme aussi. Hein. Jamais loin. Ça peut avoir son charme parce qu'à un moment donné, et dans mon concert, c'est ça que je dis. Il y a une chanson que je dis à un moment donné. C'est, bon, ça parle de ça, et puis je commence comme ça, quoi. J'introduis ma chanson en disant ça, quoi. On a créé des limites, quoi. Et ceux qui sont en dehors de ces limites-là, de ceux que certains ont créés, quoi, ben, ces gens-là sont considérés comme fous, comme Arto, comme Van Gogh, tous ces gens. Machin. Et sauf que moi, je me sens prisonnier là-dedans. Alors, on essaye de par l'art, par l'expression, par le moyen d'expression, d'essayer de briser toutes ces frontières, quoi, pour essayer d'en sortir, pour essayer de se sentir juste, libre, quoi. Voilà. Et j'ai introduit comme ça. Parce que qui a décidé que la normalité c'était à l'intérieur de ça, quoi? Et tous ces gens normaux, alors on me parlait de cette phrase tout à l'heure, où je dis, alors Arto il est à l'extérieur, et Elon Musk il est à l'intérieur, mais moi je préfère passer une soirée avec Arto qu'avec Elon Musk. Mais il m'intéresse pas Elon Musk. Lui il est au centre du carré, quoi. Voilà, c'est un décérébré qui est le mec tout normal, quoi. Que tout le monde laisse faire, quoi. Ouais, c'est, ils détruisent l'humanité, ils sont contents que bientôt la réalité ne sera plus la réalité, mais une réalité virtuelle. Parce que c'est ce qu'ils disent avec Zuckerberg. Et dans cette réalité virtuelle qu'ils développent, au détriment de l'humain, et de la relation entre les humains, et ce sont des génies. Donc on préfère passer un peu de temps avec Arto. Mais la question aussi, c'est pourquoi c'est l'anglais qui vous vient dans l'écriture de vos textes? Moi, j'écris en français, j'écris en anglais. Il y a des chansons en français, des chansons en anglais. Alors, en anglais, j'écris différemment parce que j'ai moins de vocabulaire, même si en français, j'ai pas non plus. Voilà. Mais j'en ai assez pour pouvoir m'amuser. En anglais, j'écris différemment. Je pars dans des idées avec. Mais c'est bien aussi d'avoir moins de vocabulaire parce que ça donne. On va aussi dans des. On part dans des idées. Si on est toujours dans cette liberté-là, on part dans des idées qui naissent justement de ce manque de vocabulaire. Oui, donc on essaye de créer des images avec le peu qu'on a. Et du coup, on est dans un truc un peu surréaliste. Voilà. C'est. Parce que moi, je me rappelle quand je devais m'exprimer en anglais avec mes copains à table. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé là-bas. J'arrive sur l'autoroute comme ça et je vois Fog. Et moi, alors le seul truc que j'avais entendu, c'est que les Français, on les appelait les frogs, quoi. Mais moi, je croyais que... Et je me suis dit... Non, mais des fois, dans la tête, il se passe des trucs, quoi. Je me suis dit, mais j'ai pas du tout pensé brouillard, je savais pas ce que c'était. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va y avoir, une invasion de grenouilles, tu vois. Voilà. Mais... On était déjà chez Ubu. Et donc, quand je communiquais, ben, je trouve pas un mot. Ben, je trouve pas un mot, donc je pars, je contourne pour essayer de me faire comprendre. Et puis, il va naître une conversation, de toute façon, de ça. De ce comment il va naître un texte de manque de vocabulaire. Et vous aviez aussi fait cette grande phrase en conférence de presse en anglais. Est-ce que Denis peut la citer précisément? Je la chante à la fin. Hein? Je la chante vous à la chantez? Fin. Vous la chantez? C'est vrai. Ouais, c'est au rappel, quoi, quand je reviens. Ah. C'est une déclaration d'amour. Barbara a fait ma plus belle histoire d'amour. Ah bah c'est oui, vous. Oui, oui, oui.
I love you, I don't know why, but I love ah you. Ah non, ça c'est Leeds, ça. Ça c'est Leeds. L'arrivée à Leeds, 91. Non, et l'autre, c'est When the Seagulls are ouais. following. Voilà, ouais. voilà. The ship, voilà. c'est plus la... When the seagull seagulls follow the trawler, well, because they think sardines will be thrown into the sea. Ce qui est génial, c'est dans la vidéo qui montre ça, mmh. c'est le silence qu'il y a après cette phrase. Les journalistes anglais... Alors, là, ah, oui. ah oui, je suis oui, d'accord, oui. je l'ai regardé. Donc, est-ce qu'on peut ouais. avoir la phrase dans son intégralité, peut-être. Sa traduction et son interprétation? Non, alors, je vais vous expliquer le truc. C'est que, en fait, c'était... J'étais jugé pour oui. le truc de... Quand j'ai 95, sauté son... Parce qu'en plus de 9 mois de suspension, j'étais jugé par la cour aussi. Mmh. En première instance, j'ai pris 15 jours de prison, mmh. ferme. Ils m'ont mis oui. dans une cellule. Le temps que l'avocat demande un appel, et puis ils m'ont sorti et j'ai eu l'appel. Finalement, j'ai eu 120 heures de travaux d'intérêt généraux. Mmh. Voilà. Et donc, il y avait tous ces journalistes qui avaient assisté au truc, il y avait comme là, là. et qui attendaient que je dise quelque chose, puisqu'il y a une conférence de presse qui était... Donc, on revient à la discussion de tout à l'heure, est-ce qu'on est obligé de parler? Et donc, je lui dis, mais il y avait l'avocat du club, machin, il me dit, il faut que tu dises quelque chose. J'ai dit, mais j'ai pas envie de parler, moi. Pourquoi je vais leur dire quelque chose? Il me dit, si, ce serait bien que tu leur parles. J'ai dit, OK. je vais leur parler. tu veux que je parle? Je parle. Je peux te dire n'importe quoi. Hein. Le soleil brille, ça, c'est peut-être la lune, peut-être, je sais pas, de là où je vois, il est difficile d'imaginer les frontières. Et donc, j'ai sorti cette phrase complètement spontanément. Ah, spontanément? Ah ouais. Elle n'a pas du tout été préparée. Non, non, spontanément, et je suis parti. Je me suis levé, je suis parti. J'ai dit, thank you very much, bye bye. et l'avocat, il m'a dit, bravo, tu as parlé. Génial. Parce que cette phrase, elle mais a fait parler. Mais cette phrase, comment elle vient spontanément? Oui, on peut la voir intégralement. Elle a fait parler, il y a eu des commentaires, des paroles. Donc, dans le truc du rappel, à la fin. C'est un peu comme je l'ai dit tout à l'heure. Barbara. Barbara. Donc, ben oui, les gens ils viennent machin, donc je suis obligé de leur dire que je les aime, quoi, tu vois. Et... non, parce que je les aime vraiment. Ah oui. voilà. Ils vous aiment vraiment. Donc, dans le troisième couplet, j'ai dit when the seagull, when the seagull follows the trawler, it becomes they think sardines will be thrown into the sea. Then the press called me. The greatest philosopher. Ah, and I think they were completely right. et après, je chante mon refrain. We have been lucky to get all your love. I love you so much. And so forever. mais c'est fou d'avoir pensé à cette phrase quand même. Non, mais j'ai pas pensé, justement. Non, mais je veux dire... Non, mais qu'elle soit sortie comment le spontanément. Premier truc qui vous vient, parce qu'en c'est fait, ça Éric Cantona, une femme de la fontaine. Oui, oui. L'inconscient, il a toujours on trouve toujours un sens à l'inconscient. Non, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'interpréter, mais on ne lui donnera pas un sens univoque. On va dire, peut-être il a dit ça, mais oui, mais en même temps, il dit que quand on jette... Il y a un premier sens qui vient immédiatement, puis après, il y a l'interrogation continue. C'est ça qui est fort. Pour moi, le vrai sens, il est, c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire, pour moi, le vrai sens, il est dans on doit dire quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les mots, quoi? Tu veux que je parle? Je vais parler. pour moi, la vraie interprétation, elle est là, c'est-à-dire que je n'ai absolument rien à foutre. Mmh. Oui. C'est 500 journalistes là, dans cette salle qui m'ont détruit depuis ce moment-là, et ils ont eu raison. Parce que ce n'est pas non plus un exemple. Pas que, oui, bien sûr, la violence, voilà. C'est pas parce un mode de règlement. On a entendu mille fois des insultes et tout, et puis il ne faut pas réagir. Évidemment, un jour on est un peu plus fragile qu'un autre et on réagit. Voilà. Mais je ne le regrette pas non plus. Mais je ne dis pas... Mais jamais regretté d'ailleurs. Voilà. Mais on m'a dit tu as un exemple. J'ai mis quel exemple je suis? Moi, je ne suis pas un exemple. Celui qui déjà se prétend être un exemple, je trouve que c'est de la prétention. Moi, je suis juste un être humain avec ses fragilités. Je peux être fort, mais je peux être fragile. Voilà. Mais c'est un acte de liberté, cette phrase. Mais cette phrase est un acte de liberté. Ce que j'ai fait est un acte de liberté. Le fait de l'assumer est un acte de liberté. Voilà. De dire aujourd'hui, je regrette, machin. Non, je regrette rien. Parce que déjà, le chemin que ça m'a fait prendre est un chemin que je n'aurais jamais emprunté si ça n'avait pas existé. Ça, c'est le... Je suis très optimiste. Quand quelque chose de mal arrive, je me dis que ça va me faire prendre un chemin et ça va me faire arriver à un endroit où je ne serai jamais allé sans ça, qui sera bien meilleur
De la preuve, je suis ici et je suis trop bien. Et vous avez appris la guitare pendant le Covid. Avec votre fils qui est là ce soir. Pendant le Covid. Ben oui, on faisait le Covid. Moi, je Alors, Denis Podalydès, vous n'avez pas saisi cette chance non, pour vous lancer fait, ni soit saxophone. Dans le football, soit dans le saxophone. J'ai joué, j'ai fait plein de trucs, mais non. Est-ce qu'on parlait de la folie tout à l'heure? Là, un peu la grande coupe pour un acteur, et vous le disiez dans un entretien accordé au Monde, c'est le rôle du roi Lear quand même, qui rentre dans le répertoire en 2022 à la Comédie Française. Cette question de la folie, en fait, elle traverse complètement la pièce du roi Lear. Ça a résonné pour vous, ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire ce cadre de ce qu'est la folie, et cette pièce du roi Lear, elle redéfinit ce que le fou peut apporter aussi à la société. Puis pour vous, c'est un peu, enfin, c'est un énorme trophée d'acteur que de jouer le roi Lear. Vous n'êtes pas sûr. Il y a deux embranchements, à gauche, à droite. C'est une pièce immense, le thème de la folie est un des thèmes, c'est l'histoire d'une déchéance, et cette déchéance conduit petit à petit ce roi qui pensait être le plus légitime des rois, agir bien, peu à peu comprend qu'il s'est trompé, et souvent les tragédies de Shakespeare c'est une ascension et une descente, le roi Lear c'est au début il est effectivement en plein et il cède le pouvoir, mais en même temps l'erreur qu'il fait c'est qu'il veut en même temps le garder complètement, et puis c'est l'histoire de d'une dégringolade. La folie est un mouvement, en fait, elle est pas, d'accord, c'est pas une chose sur laquelle c'est un personnage qui d'acte en acte, de scène en scène abandonne les différents territoires de la raison jusqu'à une mort. C'est pas si évident de retracer le. Je pense que tout acteur qui joue le roi Lear a son idée là-dessus, sa lecture. Je ne sais plus du tout ce que je voulais en venir en disant ça. Et pour vous, qu'est-ce que ça représentait, ce roi Lear? Ah, le rôle. Tout. Enfin, je ne sais pas. Une sorte de. C'est pas. J'ai pas dire un accomplissement, mais en tout cas, au contraire, c'est le départ. Parce que c'est le rôle du vieillard absolu. Et qui abandonne le pouvoir, donc il se tourne vers la mort, et je l'ai plutôt joué jeune par rapport... Généralement, c'est des acteurs plus âgés qui jouent, et donc j'ai eu le sentiment d'aborder comme ça mon troisième âge. En plus, bon, j'avais pas... Là, maintenant, j'ai 61 ans, mais je les avais pas encore, et j'ai eu l'impression de voir de loin ce qui allait m'arriver. Le temps de vie qui me restait, et à travers cette pièce, d'essayer de voir... Quel vieillard j'allais devenir en jouant ces différentes figures de la... Parce qu'il y a une déchéance physique aussi, dans la mise en scène de Thomas, il y avait une déchéance physique. Donc j'avais l'impression de faire une sorte d'enquête sur celui que je serais, plus ou moins, mais que je serais amené à être. Il y a eu aussi une dimension comme ça, très très personnelle, très, presque une sorte d'autobiographie projective de celui que je deviendrais, et d'essayer de m'éprouver à travers ce sentiment d'être un vieillard. Et ça, c'est, d'un point de vue strictement personnel, c'est tout à fait passionnant. Et puis, absolument passionnant, parce que c'est un grand poème dramatique. Il y a des scènes considérables. J'avais des partenaires de feu dans ce spectacle, un dispositif extraordinaire. Donc voilà, il y a des rôles comme ça qui sont des plus grands moments sûrement de ma vie d'acteur. On n'en connaît pas tant que ça. Moi, je n'ai pas connu tant que ça. Mais c'est vrai que ça a créé une sorte de paix aussi d'avoir joué ça, indépendamment de toute forme de réussite d'ailleurs. Hein, parce que les rôles de Shakespeare, j'avais joué Hamlet, c'est des rôles qu'on ne cesse de travailler de représentation en représentation. On n'est jamais le même, en fait. Ce sont les caractères de Shakespeare, c'est des caractères qui ne sont pas fixes. Les caractères souvent des grands classiques français, l'avare, le misanthrope, sont des personnages qui ont une fixité. Ils sont... attachés à leur humeur, à leur démence, à leur folie, d'être avare, d'être misanthrope, d'être malade imaginaire. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Tandis que le personnage shakespearien entre en scène et il devient. Il ne cesse pas de devenir. Comme dans le jeu anglais du football. Oui, c'est ça. Il n'y a rien qui fait station d'arrêt. On peut s'arrêter, décider de s'arrêter, mais ce n'est pas un personnage qui entre en scène et qui déclare.
C'est quelqu'un... Alors, ce que fait le roi Lear, il arrive et il déclare « Je vais distribuer mon royaume en trois. » Et puis, il fait cette erreur de ne pas comprendre tout l'amour de Cordélia. Et donc, à partir de cette erreur, il ne cesse de perdre, de descendre. C'est cette espèce de série d'abandon qui amène à la sensation de folie. Et alors, il y a... Pour finir sur la folie, oui. Les rôles de Shakespeare aussi sont très... Parce que la folie, dans le théâtre de Shakespeare, c'est le fou. Donc, c'est aussi une sorte de moteur dans la pièce, où c'est un personnage. Le public attend ça aussi, que la pièce soit aux frontières de la raison. Et on est porteur de répliques qui sont dont le sens est ambigu, dont le sens n'est pas facilement cernable. Dans Hamlet, dans Le Roi Lear, on a des moments comme ça... souvent attendus par les spécialistes, mais qui sont des points de tangence, des points très mystérieux, et qui sont toujours un peu différents d'un soir à l'autre. Alors, ça crée de... C'est probablement le rôle qui m'a donné le plus le sentiment de l'unicité d'une représentation, du fait qu'elle ne ressemble à aucune autre, et que c'était tous les soirs différents. Parce que je pouvais d'ailleurs... C'était la règle du jeu avec Thomas Ostermeyer. On pouvait, les places n'étaient pas tout à fait fixées, ni les intentions, donc j'avais une marge d'improvisation. Je pouvais un soir devenir très violent sur une réplique et le lendemain sur la même être d'une douceur parfaite. Et puis ça disait une chose assez proche, donc c'était très... Voilà. Ça correspondait à l'unicité de la pièce à cet instant. Et peut-être qu'à ce moment-là... À cet instant, la pièce prenait cette forme, cette couleur. Et elle devenait ça. J'avais le sentiment que le devenir était constamment... les choses se changeaient constamment. Et j'aimais cette sensation-là, d'ailleurs. Et dans cet espace, vous vous êtes peut-être rapproché de ce qui vous a fait vibrer dans le football, de ce qui vous a... Ça, je ne sais pas, parce que quand je suis au foot, comme je disais, je suis hors de moi. Et quand je joue, je suis à la fois hors de moi, parce que je m'abandonne quand même, et à un certain plaisir, et puis... je suis fait par les autres, en fait. Tandis qu'au foot, j'ai une espèce de projection comme ça. C'est comme si j'en voyais. Je regarde un joueur, je le fixe comme ça. J'ai l'impression d'envoyer quelque chose et qu'il est... Soudain, je m'identifie à lui. Enfin, mais ça n'a rien à voir parce que c'est très enfantin pour moi, le goût du foot. Mais au sens le plus... Pas au sens débilitant, pas au sens je régresse. Non, je ne régresse pas du tout. Il y a une espèce de pureté de l'enfance que j'atteins. Que j'ai beaucoup de mal à partager d'ailleurs. Alors je partage quelquefois avec des gens qui sont à côté de moi, on se tape dans les mains, on se donne des claques, enfin des claques dans les mains. Non mais je saisis, on se prend à le bras le corps et je ne suis pas du tout comme ça dans la vie. Donc c'est cette dimension-là très enfantine que j'adore et qui me manquerait et que d'autres sports ne me donnent pas autant. J'adore le tennis par exemple. Mais c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil, c'est plus mental. Au foot, je deviens fou. On rejoint la folie, voilà. Mais ça m'intéresse qu'Éric, parce que sur les terrains, parfois il me donnait l'impression d'être fou. Vous avez, c'est vrai, vous d'être avez senti cette habité frontière par une folie intérieure. Je me disais d'abord, quand on a un talent comme ça, on paye un tribut à la folie, je pense. Quand on a un talent aussi, parce que je pense le regard des autres qui venaient le féliciter, je pense qu'ils le voyaient aussi. À la fois comme un des leurs, mais aussi comme un autre. Quelqu'un qui avait un truc, comme le regard des Ferguson. Quelqu'un qui, ces joueurs se disent, lui, il peut nous faire gagner un match. On ne sait pas quand il va le faire, mais donnez-lui le ballon. Et j'ai revu un peu tous les buts. C'est des situations dont il se tire, même en vidéo, ça, même en s'arrêtant sur l'image, ça va encore trop vite, quoi. C'est bouleversant. Même en vidéo, ça me bouleverse toujours. Et il y a très peu de football. Il y en a, je ne sais pas, oui. Il y en a quelques-uns qui ont donné ses... Il en fait partie. Donc voilà, il est fou. Vous êtes d'accord avec ce sentiment? Et quand on a ce moment, peut-être, cet espace proche de la folie dans le jeu, à un moment? Je ne sais pas si je peux... On est dans un état second, en tous les cas, quoi. Et on a ce truc... en même temps, on est devant 80 000 mecs, devant 80 000 spectateurs, peut-être des millions de téléspectateurs aussi. Et en même temps, je pense que c'est une folie de se dire
qu'on a essayé d'inverser le sort de match, nous tout seuls, parce qu'on est habité d'une, à un moment donné d'une inspiration, un truc comme ça, quoi. Je trouve qu'il y a ce truc, quoi. Moi c'est ça qui me plaisait aussi. Et je pense que ça relève peut-être de la folie, de l'inconscience, quoi. De se dire qu'on va pouvoir inverser. Mais de se dire le et en même temps de pouvoir parce qu'on aime tellement ça, quoi. On aime tellement qu'il y ait toute cette attente, quoi. On aime tellement surprendre aussi. Moi, des fois, je regarde des matchs pour un joueur, quoi, parce que il va donner le ballon là où on ne s'y attend pas, quoi. Ouais. Et là où il y a 80 000 mecs qui suivent le ballon, parce que c'est très interactif, le football. Le spectateur, il est là à voir les déplacements des uns et des autres de celui qui a le ballon. On est à la place de celui qui a le ballon, à la place de celui qui doit faire l'appel, à la place de celui qui doit défendre. Donc c'est très, très interactif. Et quand il y a 80 000 mecs qui pensent que ce joueur-là va faire ça, et qui fait autre chose, qui amène une action de but, eh bien, c'est magique. Et... Il y a une construction du personnage. Alors je ne sais pas si ça relève de la folie ou juste du plaisir de surprendre, quoi. Le plaisir de surprendre et le plaisir d'offrir, quoi. C'est pour ça que dans le film de Ken Loach, c'est ce que je dis. Il me dit, c'est quoi ton plus beau but? Parce qu'avec Paul Laverty, qui est le scénariste, tout ça, on a beaucoup... Enfin, lui, quand il écrit un scénario, il rencontre tous les gens, plein de gens, tout ça. Donc, on a parlé longtemps et tout. Et donc, il m'a posé ce truc-là pendant qu'on discutait. Il me dit, c'est quoi ton plus beau but? J'ai dit, mon plus beau but, c'est une passe. Oui. Ouais. C'est le plaisir de donner un ballon à quelqu'un pour qu'il soit dans la meilleure disposition pour pouvoir marquer. C'est offrir quelque chose. Offrir le ballon qu'on aimerait recevoir. Offrir le cadeau qu'on aimerait recevoir. Et ça, ben c'est dans la personnalité des uns et des autres. Moi, j'avais ce plaisir-là. Et j'ai toujours eu ce plaisir-là. Plus que marquer un but. Alors, je marque un but, évidemment, je suis content et tout. Mais de pouvoir offrir un but à... Mais il y a des passes qui sont incroyables, d'ailleurs. Ça, mais il y en a d'autres. Hein. Là, on est là parce que on parle de moi. Quoi. Mais je veux dire, il y a plein d'autres joueurs qui sont capables qui de faire ça. Qui ont cette philosophie-là, presque consciente, voilà, d'ailleurs. Même meilleurs que moi. Hein. Mais est-ce qu'il y a une intensité... Oui, pardon, Denis, vous allez dire quelque chose, mais vous avez écrit aussi sur la tauromachie, le jeu comme... Enfin, le rapport à la tauromachie, on connaît les écrits aussi de Michel Léris, de la littérature comme une tauromachie, c'est-à-dire... cet engagement du corps et cet engagement aussi à la limite, vous parlez de la limite de la folie, mais à la limite de la mort pour ce qui est du toréador. Donc, est-ce que, voilà, pour vous, il y a cette intensité-là dans le football comme dans le jeu qui est de cette proximité, en fait, avec la mort, avec le danger? Oui, il y a une intensité qui est absolue et qui fait que c'est presque... Oui, ça pourrait être effrayant quand je dis la folie, parce qu'on atteint une émotion telle... Enfin, moi, ce sentiment d'être hors de soi, ou, je ne sais pas si c'est vraiment du danger, mais il y a une qualité de rêve, disons, une qualité de fantasme réalisé, qui fait qu'à un moment, un dédoublement. Je prête de la folie à Eric, je ne dis pas qu'il lui est fou à la... mais ça me paraissait d'une telle intensité pour moi, je me dis, lui, si je ressens ça, lui va exploser. Oui, c'est ça. Si on compare à l'échelle d'un stade, un grand artiste est sur scène, ceux qui m'ont bouleversé, je me demandais toujours, mais dans quel état il est après avoir donné tout ça. Et Dieu merci, d'ailleurs, les artistes ne sont pas forcément conscients qu'ils ont donné de telles intensités d'émotion. Parce que sinon, ils exploseraient. Enfin, il y a aussi un inconscient de l'artiste qui ne se rend pas compte qu'il est en train de, d'enflammer des spectateurs, de les bouleverser totalement. Et ça, c'est le paradoxe de Diderot. Ouais. De son côté, lui, il est peut-être aussi dans un état assez simple. Dans le fond, il y a toujours un... En fait, quand on regarde un grand artiste qui évolue... Comme on est un espèce de point d'intensité d'identification, on voudrait être pareil que lui, mais en même temps, on mesure. Il est tout là-bas dans son monde et moi, je suis tout là-bas dans le mien. Et j'essaie de communiquer à travers ça, mais ça fait un espèce de courant électrique d'une violence extrême. C'est au-delà des mots, en fait.
Alors, je m'en fais complètement. Arrêtez-moi parce que. Non, mais non, mais je vous laissais tranquillement comme ça tourner autour du stade parce que, en fait, il y a un texte qui parle pour vous, en tout cas que vous aimez beaucoup et que vous avez amené de Nipodalides dans le livre Football de Jean-Philippe Soussaint. Ah oui, j'avais oublié. Qui apparaît aux éditions de Minuit, mais oui. Il est là. Non, mais c'est vrai que là, vous avez trouvé quelqu'un qui vous a prêté les mots, peut-être, sur ce que vous ressentiez. En regardant cette performance, cette intensité, ce dédoublement, cette folie d'un but. Donc je lis. C'est le moment où vous lisez. En fait, c'est un petit texte. C'est un petit texte qui raconte l'enchantement devant. C'est très simple en fait. C'est un petit livre qui est très marrant d'abord. Il y a beaucoup d'humour et qui associe beaucoup le football à l'enfance, mais un peu dans le sens que je disais, dans le sens du pur émerveillement, l'émerveillement que peut susciter un terrain, un match, une équipe. Émerveillement. Le petit texte s'appelle comme ça. Ouais, bon. Le football, comme la peinture, selon Léonard de Vinci, est cosa mentale. C'est dans l'imaginaire qu'il se mesure et s'apprécie. C'est dans l'imaginaire, c'est exactement ce que je voulais dire. Tout se passe dans l'imaginaire, en fait, qu'il se mesure et s'apprécie. La nature de l'émerveillement que le football suscite provient des fantasmes de triomphe et de toute puissance qu'il génère dans notre esprit. Les yeux fermés, quel que soit mon âge et ma condition physique, je suis l'attaquant vedette qui marque le but de la victoire ou le gardien de but qui s'élance au ralenti dans l'éther pour faire un arrêt décisif. J'ai marqué, enfant, des buts stupéfiants dans mon fort intérieur. Oui, bon. Les bras que je lève au ciel, alors, dans le salon désert de mes parents, participent autant du rituel et de la fête que le but proprement dit que je viens de marquer. Ce sont les célébrations, les congratulations, l'agenouillement sur la pelouse, les coéquipiers qui se jettent sur moi et m'entourent, m'étreignent, moignent et m'encensent, que je savoure le plus. Non pas l'action elle-même, c'est mon triomphe narcissique qui m'apporte la jouissance, et nullement le fait que cela puisse un jour se produire dans le réel. Qu'un jour, moi-même, je pourrais contrôler merveilleusement un ballon du pied pour, avec sang-froid, avec maîtrise, avec adresse, dans un stade réel, face à des adversaires réels, sur une pelouse réelle, le propulser d'une frappe très pure de 25 mètres dans la lucarne du but adverse, malgré la parade désespérée d'un gardien de but inexorablement dans le vent. L'image est séduisante, certes, mais j'ai d'autres ambitions dans la vie que d'être adroit du pied. Moi, ce serait plutôt la main, et pas seulement en art. La réalité est presque toujours décevante, cela ne vous aura pas échappé. À 13 ans, c'était fini, ma carrière de footballeur était terminée. Mes derniers rêves de gloire datent du printemps 1970. Je vais peut-être passer à l'enfance. Donc il dit si on était fini de mes belles années, parce que c'était dans ce salon où il marquait ses buts imaginaires. C'en était fini de mes plus belles années. À l'enfance succède toujours l'adolescence et la vie dans le réel est intraitable, le ballon fut-il rond, est indocile et fantasque, il nous résiste, nous contrarie, nous trahit, nous humilie. Voilà, c'est ce petit texte qui dit que voilà, le football, de mon point de vue, ce n'est que de l'imaginaire. Donc je peux me déchaîner de la manière, même physiquement, je peux hurler, je ne sortirai jamais de ma bulle imaginaire. Mais ce n'est pas comme il dit là, simplement le triomphe narcissique, C'est oui aussi, mais c'est au-delà, quoi. C'est l'espèce de joie pure d'exister, ouais. En fait. Joie pure d'exister, mais qui ne se vit que dans l'imaginaire. Ce qui n'est pas... Pas toujours ça. Ouais. C'était une très belle... Éric, ça vous a... Vous vous reconnaissez en partie, même si vous voulez vous marquer pour le coup. Mais le ballon du réel, il existe pour vous aussi. Mais combien de fois j'ai vécu ça, moi, quand on jouait avec mes frères d'une porte à l'autre dans la maison, mes parents, ils devenaient fous. Où on a marqué des buts... Ou quand on tirait un pénalty, c'était le pénalty en finale de la coupe. Ça a toujours été ça. On a toujours fait ça, gamin. On rêvait de tout ça. Après, lui, il n'est pas devenu footballeur, mais tout ce qu'il dit, tout ce que tu viens de lire, tout ce qu'on commençait à jouer au football, ils l'ont vécu. Et après, l'imaginaire...
Finalement, c'est quoi la réalité, quoi? Finalement, on est où, là? Je veux dire, le monde imaginaire, le monde qu'on se crée, le monde qu'on sait. Moi, c'est bien, moi, j'ai joué au foot, mais finalement, de rêver de quelque chose, c'est beau, ça peut être très intense aussi. Une œuvre d'art, elle naît de monde imaginaire. Ouais, tu parlais de l'acteur. Alors tu disais oui, c'est d'être en condition, de se mettre en condition, de se mettre en condition, de se mettre en condition dans l'écriture, se mettre en condition dans la peinture, se mettre en condition dans l'acteur, se mettre en condition sur un terrain de foot, se mettre en condition de pouvoir avoir cette inspiration à un moment donné, qu'on peut appeler de la folie, mais se mettre en condition. Et moi, je pense que ce qu'on peut appeler être de la, ce qu'on pourrait appeler de la folie, c'est ce serait plus la crainte de se mettre en condition. Parce que de se mettre en condition, partir dans un état second, c'est finalement s'ouvrir à des émotions, s'ouvrir à des sensations fortes. La folie, c'est au contraire de se fermer de toutes ces émotions, de recevoir toutes ces émotions. Donc moi, je suis plus, par rapport à ce que tu disais, l'acteur qui, à un moment donné, va partir dans un truc. C'est la condition. C'est avoir le courage de se mettre en condition de vivre ces moments exceptionnels. Quoi. Comme et même ça. Si on part dans des trucs, ben, c'est pas grave. La folie, elle est plus dans ces portes fermées, dans ces portes qu'on a fermées, dans ces trucs, ces barrières qu'on se met ou qu'on nous met. C'est ça, la vraie folie, elle est là, quoi. Exploser tout ça, c'est la vraie liberté, quoi. Et on a explosé le timing ce soir, vous le noterez. En totale liberté, on a poussé les murs de cette rencontre, on est largement au-delà. Ah bon? Ah oui, moi je regarde la montre d'Éric de temps en temps, mais je sais qu'on n'est plus du tout dans les buts. Il paraît que c'est ton anniversaire ce soir. Ouais. Alors. Merci. 61. Est-ce qu'on pourrait chanter? Alors ouais, c'est Éric qui prend les commandes. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Denis, joyeux anniversaire. Merci à vous. Merci. Merci. Ah, quelle heure. Merci à vous. Merci. Alors.